je m'en viens. Hop là. Ok. Du coup, on est en live. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Ah, ah dommage. On a décalé là. Non, c'est parce qu'il y a ça. Dommage. Au revoir. Ok. Attendez, on s'entend en double. Ah voilà, on s'entendait en double, ce qui était un petit peu perturbant. Donc on disait bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le dernier live avant la rentrée, pour parler de 8 femmes de François Ozon, réalisé en 2002. Donc voilà, Sarah, je te laisse faire le petit speech du film pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Donc 8 femmes, comme l'a dit Roman, c'est un film de François Ozon qui est sorti en 2002 en salle. Il a été co-scénarisé, c'est François Ozon qui l'a écrit avec Marina Devan. Et toute la musique du film est de Krishna Levy, enfin toutes les musiques originales, il y a des reprises. Ce film, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre qui est écrite par Robert Thomas et qui porte le même nom, 8 femmes. Voilà. Et on retrouve dans les rôles principaux donc Daniel Darieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuel Béart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagné et Firmine Richard, qui interprètent donc les 8 femmes. Plutôt des grandes stars de l'époque, enfin déjà des actrices qui avaient quand même une grande carrière déjà derrière elles à l'époque. Ouais. Du film. Voilà. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous ai préparé un petit résumé sans spoiler la fin pour l'instant. Il y aura sûrement des spoils, donc si voilà. Vous n'avez pas vu le film, malheureusement. Il est sur Disney+. Oui, il est disponible sur Disney+. C'est légal. Donc ce film, déjà ça se déroule dans une grande demeure bourgeoise un peu isolée dans la campagne. On est en hiver à la période de Noël. Et donc c'est une grande famille dans cette maison qui s'apprête à fêter Noël. Mais au matin, avant le soir de Noël, le maître de maison est retrouvé mort dans le lit, un poignard planté dans le dos. Après plusieurs analyses, il n'y a aucun doute, c'est forcément quelqu'un qui était dans la maison cette nuit qui a commis le crime. Et donc c'est alors que les 8 femmes, la mère, les 2 filles, la grand-mère, la tante, la sœur du mari et les 2 bonnes vont chacune s'accuser l'une et l'autre, révélant les petits secrets qui le liaient tous au mari. Ouais, bon, un peu, donc ouais, finalement c'est un peu un Cluedo géant. C'est un wooden it, voilà. On appelle ça dans le cinéma. Donc avec, pas que le cinéma, hein. Dans les bouquins d'abord. Ça alors, s'écrit trop bizarrement d'ailleurs. De quoi? Bah les wooden it, ça s'écrit genre W-H-O-D-U-N-I-T. Vous pouvez aller voir cette magnifique affiche, car je la trouve un peu étrange, j'ai un côté un peu... Ouais, je sais pas trop. Elle est sur avec toi. Ce bleu et blanc, très magnifique. Pour la petite anecdote, ce film, à la base, François Ozon voulait faire un film. Alors, c'était vraiment sa volonté de faire un film avec un casting entièrement féminin. Et il voulait adapter The Woman de George Cukor. Cukor. Un film de 1940. Et c'est un film aussi qui relate l'histoire de plusieurs femmes. Enfin, c'est vraiment le dialogue entre plusieurs femmes. Il a repris notamment. On le voit pas nécessairement dans le film, mais en tout cas, dans toute la. Quand la promo du film, chaque femme est associée à une fleur dans 8 femmes, et c'est la même chose dans The Woman, chaque femme est associée à un animal, donc il y a quand même des petites thématiques comme ça qu'on retrouve. Je sais pourquoi il n'a pas pu le faire. Parce qu'il n'avait pas les droits. Et tu sais qui a les droits? Et alors attends, c'est... C'est les deux actrices, il y a Julia Roberts, et en gros, c'était hyper compliqué, et c'est Dominique Besnard, qui est un grand agent du cinéma français, qui lui a montré 8 femmes, qui à la base donc est une pièce, et lui a dit « adapte ça ». Et il a fait « ok ». En plus, ça rentre un peu de ce qu'il avait envie de faire, donc finalement, c'est pas si différent, en tout cas. Ouais, ça restait théâtral. Ça restait théâtral, avec des femmes qui parlent entre elles, d'un homme, notamment. Mais ça, on rentrera dans le détail après. Pour pas revenir un peu sur le film, parce que ça reste un film assez culte, quand même, du réalisateur. Alors, je sais pas s'il y en a qui veulent parler un petit peu de ce qu'on en a pensé. Le rapport qu'on a avec le film. Oui, peut-être. On peut faire un petit tour de table déjà, d'avoir des impressions un peu générales sur le film. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu si vous avez déjà vu ce film et un peu votre avis. Donc Enora, je te laisse commencer. Moi, j'ai beaucoup. C'était la première fois que je le voyais. Tout le monde m'en parlait. Je peux enlever l'affiche, peut-être qu'on le voit. Non, c'est l'autre. C'est bon. Ok. Ah oui. Nous, on est à droite et à gauche, c'est rien. Oui, voilà, on est pour le truc technique. Je l'avais jamais vu avant le live. Avant de préparer le live.
Pourtant, c'est le film préféré de beaucoup d'amis. Ah ouais, ouais. Préféré, genre, de ouais, tout. Ouais. Okay. J'ai plein d'amis, quand on a annoncé, qui m'ont dit « Ah, mais c'est trop bien, c'est mon film préféré. » Ah ouais, ok. Et je me souviens que quand il est sorti, ou quelques années après, on me disait souvent que c'était un film qu'on aimait beaucoup. Et ça m'a toujours tenté, parce que j'aime bien les trucs policiers et un peu caricaturaux. Enfin, je trouve que, voilà... Par exemple, j'adore Les Petits Meurtres d'Agatha Christie sur France 2, qui pour moi reprend un peu les mêmes codes où on est sur de l'audiovisuel, mais il y a toute une part de théâtre et voilà, d'exagérer certains traits qui, moi, me plaît beaucoup. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé. Avec un filtre de 2022, donc on va en reparler après. Oui, voilà, évidemment. Il y a tellement de choses à dire. Comme et à chaque fois, qui ouais. Ne pas. Mais je trouve que c'est un excellent film. Enfin, moi, je trouve qu'il est très agréable à regarder. C'est drôle. Et bon, il y a des choses qui ne vont pas. Mais moi, j'ai passé un très, très bon moment devant ce film. Et quand on a revu... Enfin, moi, j'ai revu la fin, là, en 35, au Saint-André. Et j'ai beaucoup aimé. Oui, voilà. Parce que pour info, on a projeté le film jeudi soir en 35 mm au Saint-André-des-Arts, comme d'habitude. Et on a fait une soirée karaoké. Après, on a repris notamment les musiques du film. Alors, chose qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un film... Enfin, c'est un film musical, mais c'est... chaque personnage est associé aussi à une chanson qui raconte un petit peu un aspect du personnage. Donc, on reviendra peut-être à des chansons françaises des années 60. Elles ont toutes cette caractéristique-là. Donc, c'est des chansons plutôt connues. Et donc, voilà. Louise, vas-y, dis-nous un peu ce que ton rapport au film. Moi, c'est un peu pareil. C'était une époque où j'aimais bien ce genre de film. J'ai regardé Le Mystère de la Chambre jaune de Paul Hallyday, Le Parfum de la Dame. Enfin, c'était un moment où ça me faisait un peu kiffer. Déjà, je lisais pas mal Agatha Christie. Je lisais les Arsène Lupin, les trucs comme ça, de cambriolage et tout, de merde. Moi, c'est des trucs qui me plaisaient beaucoup. J'avais adoré ce film avec Dussolier et Catherine Froh, là. Complètement débile. Le crime était presque parfait. Qui était hyper intelligent, en fait, qui était hyper bien. Donc, c'était un peu cette époque-là. Et moi, j'ai découvert 8 femmes. Donc, voilà, c'était début collège, je pense. Ouais. J'avais adoré parce que ça, voilà, ça faisait vraiment le good on it. Moi, je suis une grosse fan de policiers non, en tout genre, que ce soit en podcast, en film ou en livre, ou en bande dessinée, ou en manga. J'aime bien ça. Quoi. Non, mais moi, à la base, dans mon rêve ultime, si j'avais été bonne en maths, sans déconner, ça aurait été de faire police scientifique. Mais j'ai été bonne en maths. C'est vrai que ça demande des ça demande du courage et des maths. Du courage, tout de et des maths. Mais vraiment, j'aurais adoré. Ouais. Genre, moi, j'avais une vision, genre les experts, j'ai mes lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on a là sous le tapis. Alors, voilà, alors je suis incapable de voir un Cronenberg, tu sais, donc qu'est-ce que j'irais voir un cadavre. Enfin, bref. Et en plus, là, faut vraiment regarder le cadavre dans le détail. Mais ça me faisait trop kiffer, tu sais, genre. Vraiment, moi, je m'imaginais avec une loupe, tu vois. Et donc. Comment on appelle ça les lunettes avec le monocle. Mais vraiment, tu sais, il y a un truc. Moi, quand je lisais ce genre de bouquin, ouais, voilà, tu vois, moi, quand je lisais genre. Genre, je sais que Agatha Christie, genre, 10 petits nègres. C'est quoi le nouveau titre? Ils étaient 10. Ils étaient 10, voilà. Et ben, quand j'ai lu Ils étaient 10, genre, moi, je sais que l'objectif c'était de savoir avant eux qui allait être le tueur. Ouais. Bon, alors autant te dire que là, ça m'a bien retourné le cerveau, je vous spoil pas, mais c'est improbable. C'est surtout que tu peux pas. C'est impossible. Et moi, je kiffe ce genre de truc où tu cherches et tu te dis, est-ce que je le savais avant lui, tu vois. Bon, moralité, tu le sais vraiment. Et là, en fait. Femme, moi, je le savais dès le départ. Ah ouais, t'avais trouvé dès le départ. Ah ouais, moi, j'adore justement. Il y a un truc, genre, moi, j'aime trop ce genre d'ambiance, donc moi, ça me plaisait beaucoup. Mais toujours très plaisant, parce que justement, moi, en fait, quand je fais des hypothèses au début, avec Sarah, on a regardé une série TF1, bref, qui était pas folle, mais en gros, direct, je lui dis, ah, je pense que c'est lui et tout. Et du coup, on regardait en parallèle et c'était trop bien de pouvoir se dire, bon, j'avais totalement tort. Mais tu vois, justement, de se dire, est-ce que je vais avoir raison et tout. Mais c'est souvent la personne qu'on soupçonne le moins, généralement. Exactement. Et là, c'est vrai que là, dans le truc, c'était. Enfin, bref, il y avait trop. Sa première phrase, c'est j'adore les romans policiers. Je me suis dit, bam. Ouais, c'est ça. Et moi, je me suis dit, c'est bizarre que la porte se soit fermée. On a déjà bien spoilé le film dès le début. Ouais, mais en fait, ça dépend parce que tu vois, genre, un bouquin comme Le crime de l'Orient Express, tellement bien, où tu te dis, tout le monde est un coupable, tout le monde peut être un suspect, mais c'est celui qu'on soupçonne le moins, bah au final. Peut-être spoiler, mais... C'est lui qu'on soupçonne le plus. C'est tout le monde. Non, mais c'est tout le monde dans le train, ça qui est trop drôle. Moi, c'est ça que j'adorais, et j'aime trop justement les trucs où c'est... Enfin, le mystère de la chambre jaune, moi, je trouve ça tellement rigolo, en fait, de se dire, en fait, il s'est rien passé. Il n'y a rien eu. Il n'y a personne. Celui-là, le bouquin m'avait retourné. Et je trouve ça trop intelligent, en fait, de réussir à faire ça. Et je trouve que 8 femmes, justement, suit cette veine-là. Ouais. Moi, c'est un film que j'adore, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, la chanson française, etc. Ouais. C'est des personnages qui me font... Enfin, moi, le personnage d'Isabelle Huppert me fait
hurler de rire. Ouais. Je le trouve. Ouais, le casting est très. Oui, le casting ouais, est très. Bon, après, moi, il y a des meufs où j'y arrive pas. Il y en a deux, genre Fanny Ardant et Virginie Ledoyen, I Can't. Mais c'est presque physique. Mais on reviendra dessus. Donc voilà, c'est un vrai film d'enfance que j'avais pas revu depuis très longtemps. Enfin, je l'ai revu il y a 3 ans au Christine quand on l'avait passé. Je m'étais un peu. Je trouvais ça sympa et tout, mais je trouve qu'on le voit de plus. C'est un cinéma parisien. Oui, pardon, ouais. Et, mais je trouve qu'on plus on grandit et qu'on le revoit, plus on voit ce qui va pas. Ouais. En fait. Plus on prend une distance et moins ça. Non, parce que t'as des films qui vont pas. Et, et ça reste, tu vois, moi, Les Demoiselles de Rochefort, il y a plein de choses qui vont pas. Ouais. Et ça reste un film sublime pour moi. Ah et... oui, mais Bifam, moi, je l'ai vu avec mon filtre directement et j'ai quand même passé un très bon moment. Ah non, je dis pas le contraire, mais je trouve que plus tu le vois. Oui. Plus tu vois ce qui va pas, alors que par exemple, moi, Les Demoiselles, moi j'ai toujours mon filtre. D'enfant. Genre, même pas enfant, c'est juste, je trouve que c'est un. C'est là où je vois que Ozon n'arrive pas à faire du demi et que personne ne peut vraiment faire du demi. Non, c'est que si t'arrives pas à faire un truc de ce genre de film, parce que Ozon l'avoue qu'il s'est inspiré de demi, enfin l'avoue, il n'y a pas ce qu'il le dit. Bah, c'est une inspiration, c'est sûr, quand tu fais une comédie musicale en France, forcément il y en a qu'un, c'est un peu demi. Ouais. Et tu vois que c'est là où tu vois la force d'un réalisateur comme Jacques Demy et la. Je sais pas comment décrire François Ozon, moi c'est pas quelqu'un que j'apprécie vraiment. Bah, donc ce film là est très très bien. Il est très bien, mais tu vois que il manque quelque chose. Bah, c'est la patte un peu féministe et deck là, les réalisateurs français. Je me permets de revenir sur le tour de table et comme ça on reviendra peut-être en détail sur le film. Du coup, pour après éviter de trop se perdre. Du coup, Sarah, toi tu l'as découvert quand En salle jeudi. Voilà. Première impression. Alors, moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà j'adore les comédies musicales et les films policiers, donc c'est le parfait mélange. The crossover. Voilà, personne ne connaissait pas du tout. Je n'avais pas entendu parler de ce film. Pour vous, ça avait tous l'air d'être une évidence où je ne connaissais pas. Vraiment une découverte. Bien. Et il y a forcément des trucs qui m'ont choquée. Vraiment, j'étais avec un ami dans la salle qui ne l'avait pas vu non plus. Et il y a des moments où on s'est regardé en mode elle est sûre de ce qu'elle a dit là. Mais je pense que le voir aussi aujourd'hui, ce qu'on disait avec le filtre 2022, c'est. Ouais, après j'ai remis dans son contexte. Et du fait que ce soit projeté en 35mm, ça faisait un peu vintage. Et je me suis dit que c'était pas un film qui venait de sortir. Et voilà, bon, ça reste problématique. Mais j'ai adoré. Il est sorti en quelle année, je me souviens il a 20 ans cette année, c'est ça que je on n'a pas redit. Ans, c'est quand même... C'est vrai qu'on fête les 20 ans du film, ça c'est... Ça fait deux films qui ont 20 ans là. Ouais, c'est un peu notre décennie finalement. Vous avez 2000. Et donc toi Maëva, quel est ton rapport au film, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi de base, j'aime vraiment pas Ozon. Donc c'est pour ça que je l'avais pas vu, parce que j'étais partie sur l'a priori, Ozon c'est de la merde. Non, il était sympa, j'ai bien aimé. En plus, oui, moi j'adore aussi... Toi aussi, du coup, tu l'as découvert pour le... Pour la première fois sur Disney Plus. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, il est sur Disney Plus. J'ai pu suivre son. Je voyais où il était dans le film. Je l'ai regardé en deux fois. Oui, je sais. Parce que tu l'as lancé, je dis putain, ça fait quand même 3 jours qu'elle est à la moitié. En fait, elle a pas regardé la fin de ma gueule ou quoi. Et à un moment, mais t'as pas vu, mais j'ai essayé, à un moment, j'ai voulu faire une blague et leur mettre genre un moment. Et je crois que ça a pas marché parce que j'ai juste fait avancer, je suis pas. Enfin, j'ai quitté. Mais peut-être que ça a marché, j'ai pas capté. Hein. Ah oui. Parce que j'ai vraiment. J'ai avancé. C'est un film d'une heure et demie, j'ai vraiment avancé de 15 minutes, tu vois. Donc normalement, tu sens. Non, il dure 2 heures quasiment le film. 1h50. Ah ouais. Ah, c'est vrai. T'as fait. Ouais, 1h50. Ouais. Moi aussi, je pensais. Pas passer, plus court, mais. T'es de ouf. Non, bref, j'ai vu quand même en deux fois, je sais que c'est mal, je fais souvent ça. C'est pas respectable pour les artistes. Non, j'ai des problèmes d'attention, des fois, j'ai besoin de les voir en plusieurs fois. En plus, je l'ai lancé, tu as vu l'heure à laquelle je l'ai lancé, il était pas tôt. Il était pas tôt du tout. Bref, j'aime beaucoup les histoires de crimes, les whodunits, films noirs, etc. Donc j'adore ça, j'adore le théâtre et j'adore les comédies musicales. Donc j'ai beaucoup aimé, juste... Je trouvais des fois les murs musicaux un peu arrivés comme des cheveux sur la soupe. Et je pense que les séquences de réalisation musicale auraient pu être un peu plus théâtrales et burlesques. Parce que tout le film est tellement que quand elle chante, t'as l'impression que même c'est beaucoup plus simple que ça devrait l'être. Ça aurait pu mériter Je trouvais qu'il y avait comme des petites chorées, etc. Mais il y avait, mais c'est trop beau. La chorée de Catherine Deneuve qui danse comme une vieille. Ouais, mais ça sort de nulle part. Oui, c'est ça, ça fait des petites... Et c'est assez lisse, finalement. Ouais. Bah, c'est assez lisse comparé au reste. Elle a 60 ans quand même, enfin 58. Oui, et c'est elle qui chante pour une fois. Mais je parle pas forcément de elle quand elle performe, mais de la mise en scène en général. Oui, bien sûr. Pour avoir des décors en plus, ou des costumes, ou même une lumière encore plus assumée. Et là, je trouvais que... Alors moi, je trouve que justement, ça fait un peu... Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça s'intègre bien dans le film, dans la dynamique du film. Oui. Où, limite, en fait, au début, moi, quand ça commence, j'avais l'impression qu'elle jouait mal.
Ah oui, t'as eu cette impression-là. Ouais, au début, je me suis dit, oh là, ça joue pas bien. Et après, je me suis dit, ah, en fait, c'est une... Enfin, moi, j'ai vu ça comme une volonté, parce que je vois pas comment Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, etc., peuvent mal jouer sans que ce soit fait exprès. C'est pas mal joué, je pense. Pour moi, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment... Non, je pense que voilà, c'est une vraie caractéristique de François Ozon, c'est qu'il veut faire du... Et on le voit beaucoup dans son dernier film. Ah oui, mais en fait, qui est vraiment de faire... Il est très théâtral et il est très dans ce genre de truc, dans ses tons, etc. Dans le dernier film, enfin, c'est Denis Ménochet, Isabelle Adjani. Alors, ok, Isabelle Adjani, elle est, c'est du plastique. La meuf, elle va jamais mourir et elle est dangereuse pour l'environnement si on la jette dans l'océan. Non, mais c'est un fait. Contenez la terre. Isabelle Adjani, elle tue les tortues. Hein. Elle tue les tortues plus que des pailles. Bref. Et en vrai, c'est pas une enfin, on peut pas dire qu'Isabelle Adjani. Enfin, c'est la reine Margot. C'est pas une mauvaise actrice, c'est impossible. Et en fait, c'est vraiment un style de Ozon. Et moi, c'est un style que t'aimes pas. Qui m'irrite. Non, mais pas que j'aime pas, mais qui m'irrite. Et moi, j'ai un problème, c'est que quand il se lance dans du théâtre, j'aime bien, parce que ça se regarde. Bon, là, le dernier est très raté pour moi. Moi, Une femme, c'est un film que j'aime bien. J'avais bien aimé France avec Pierre Niney. Oui. Mais, c'est pas pareil. Mais par contre, tu vois, ma nouvelle amie de Romain Duris, mais mec, tu as un problème. Jeanne et Jolie, c'était lui aussi. Ouais, très gênant. Été 85, c'est tiré d'un court-métrage qui était vachement bien. Oui, Été 85, le film. J'ai trouvé le film très chiant. Mais moi, ma nouvelle amie. Du coup, c'est pas le post-Covid. On peut faire un petit point sur aussi notre rapport à François Ozon, parce que c'est quand même un cinéaste qui est quand même. Moi, c'est pas quelqu'un que j'ai appris. En fait, moi, je pense que j'ai découvert François Ozon par 8 femmes. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque où il est sorti, donc en 2002, donc j'étais plutôt petite, et j'avais reçu juste le CD, donc je connaissais que les musiques sans savoir que c'était associé à un film. Mais moi, j'avais découvert ce film bien plus tard, et François Ozon, je l'ai pas tout de suite associé à ce film. Enfin, j'avais pas su. Mais c'est pour ça que pour toi, elles sont plus mémorables, les musiques. Les chorés et tout, les chorés, elles sont toutes basiques, mais elles sont. Enfin, genre, je les connais, quoi. Je voyais même des TikTok de gens qui parlaient de ça, et je me suis dit, ah ben en fait, on était une communauté de gamins bizarres qui dansaient, chantaient sur 8 femmes. Enfin, d'apprendre les chorés du film. J'ai eu des TikTok édites de Alain Chabat dans La Cité de la Peur, et là je me suis dit, où suis-je? Ouais, ça y est, je vais faire Non, mais dès que les films arrivent sur des plateformes, en vrai, les gens ils les apprennent quoi. C'est vrai que, à mon avis, c'est quand c'est revenu sur Disney Plus, peut-être que. Moi, c'est un film qui peut redevenir grave à la mode en vrai, parce que la mise en scène elle est très actuelle. Oui, oui, la mise en scène, je parle. Mais après, c'est vrai que voilà, Ozon, de toute façon, moi je trouve que c'est un réel. En fait, déjà, moi je trouve que c'est quelqu'un. Qui se cache beaucoup derrière ses films et par ce qu'il raconte. Enfin, je trouve que c'est pas quelqu'un qui assume ce qu'il fait et ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, genre vraiment, je trouve qu'il il assume pas. J'ai aucun avis. Il va pas au bout de ses trucs, tu vois. Tu veux faire un film théâtral avec Denis Ménochet et Ajani, fais-en des caisses. Ne fais pas. Enfin, c'est chiant ce que tu nous racontes là. Tu veux nous faire un film où Romain Duris il est complètement tué par la mort de sa femme, ou le film avec Jérémy Renault où ils font des jumeaux, donc va au bout du truc, nous laisse pas à demi-mot sur des trucs où c'est un peu cringe, un peu gênant, et on rentre pas dans l'histoire et on reste à la surface. En fait, voilà, pour moi, moi, c'est comme ça que je définirais le cinéma de François Ozon. C'est un réalisateur de surface. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que y a des réalisateurs et des réalisatrices, t'arrives à dessiner un peu un portrait de ce qu'ils font, enfin, t'arrives à te faire une idée du style. Et c'est vrai que François Ozon, quand je pense à lui, j'arrive pas à voir un casting ou même un type de film ou un type d'histoire. C'est vraiment, c'est vraiment un film casting parce qu'il a vraiment repris des grandes actrices de l'époque. Ils l'assument toujours. En tout cas, dans la promo, il l'assume. Et puis il en joue beaucoup, il a voulu faire un truc pop, mais en même temps, il assume pas que c'est pop et il veut vraiment faire un truc très obscur et très intellectuel. Mais genre. Assume que c'est pop et fais un truc pop et vas-y. Mais on peut tout de suite déjà passer sur l'histoire de la promo avant de rentrer, parce qu'on va rentrer dans le détail plutôt sur évidemment le male gaze, le regard masculin dans ce film. Tu peux expliquer ce qu'il y a, quelqu'un peut expliquer l'origine du mot male gaze quand même. Est-ce qu'on revient plutôt sur la promo avant ça peut être une bonne introduction. Parce que je pense que la promo elle va en dire long aussi sur comment le film, et on parlera effectivement, on expliquera plus en détail le male gaze. Qui veut prendre la parole sur la promo parce qu'il y avait pas mal de choses, on s'en est parlé, on a vu pas mal d'interviews, vous pouvez les retrouver sur YouTube notamment, qui sont très gênants, et sur comment ils ont présenté le film. Je trouve que ça en dit long aussi sur comment le film est traité, enfin les personnages. La promo, déjà elle a commencé ultra en anecdote. La promo elle a commencé ultra en amont de la sortie du film, donc c'est un truc ultra préparé, etc. C'est un film qui a été beaucoup distribué dans le monde et pas qu'en France. Il y a eu beaucoup d'interviews, c'était assez exceptionnel d'avoir un casting. C'était un casting assez impressionnant pour l'époque. Donc on parle de
de Fanny Ardant, donc, qui a joué avec Truffaut, on parle de Catherine Deneuve, Demi, Buñuel, voilà, on parle de Isabelle Huppert, qui venait de sortir, qui avait joué dans La Pianiste juste avant. D'ailleurs, il y a une petite référence apparemment. Ouais, oui, comment ça, mais alors ça, il y a énormément de références à d'autres films aussi. J'ai vu Le Pianiste il n'y a pas longtemps, La Pianiste, enfin, La Pianiste, pardon. Et genre, vraiment, quand je l'ai vu, j'ai fait, c'est une ref ou pas? Parce que. Non, mais même le personnage est une ref. Ouais, parce que dans La Pianiste, c'est quand même une nana qui donne des cours de piano et qui s'adonne à des pratiques. Olé, olé. On va dire cure moustache. Cure moustache. C'est vrai, le SM, oui, c'est cure moustache. Oui, oui, non, non, mais c'est ça. Et en gros, c'est ça. Et le film, je vous le conseille, il a assez des. Par contre, oui, il faut être accroché quand même. Il faut être accroché, mais il a assez des manchettes. Et en vrai, c'est une vraie ref parce que le personnage d'Augustine, donc le personnage d'Isabelle Huppert, est complètement. C'est du derche, ouais, pour rester poli. Pour le dire. Voilà. Elle est espèce d'hystérique. Espèce d'hystérique qui a besoin de médicaments. Mais ça, justement, en fait, elle moi, fait ce que j'aime beaucoup avec Isabelle Huppert, c'est que physiquement, elle fait très stricte. Ouais. Et du coup, et ben, je trouve que elle, moi, dans ses rôles, c'est ce que j'adore avec Isabelle Huppert, c'est qu'en fait, elle casse ce truc de nana hyper rigide. Ouais. Et très. Là où très tu l'attends pas. Et je trouve que d'un côté. Et en fait, elle arrive et bam, elle te détruit ce moment. Mais elle joue beaucoup ce genre de personnage. Machin, et j'adore. Je trouve. Enfin. Moi, je trouve que du coup, ça donne un plus-value à son personnage de fou, quoi. Mais elle fait beaucoup des personnages de ce type, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, parce que tu vois, par exemple, Catherine Deneuve, je trouve que c'est une actrice très classe et élégante. Ouais. Mais elle casse beaucoup. Elle joue Catherine Deneuve. Bah, ça dépend. Ouais. Parce que tu vois, dans le film de Buñuel, où elle fait justement une bourgeoise qui est à la recherche du sexe. Ouais. Oui, non, mais c'est justement que ça casse ça, mais parce que on n'est pas capable de le faire. Il reste en surface, il suit le truc de Virginie Ledoyen qui est en mode Il est présent, en fait, voilà, les messages ils sont vachement stéréotypés par rapport à ce qu'ils ont envie de raconter du personnage, quoi. Ouais. T'as des, enfin, même très le, que ce, c'est très superficiel, t'as la Lolita, la vamp un peu, Catherine Deneuve, celle qui aime bien draguer, être autour des hommes, etc. Mais en même temps, et Pierrette aussi, il y a vachement le rapport à la séduction, à l'argent, dans tous les personnages, en fait. Manuel Béart aussi. Elles ont toutes un rapport particulier aux hommes, à la séduction. Et la séduction doit passer par des hommes, même quand c'est des femmes entre elles. Oui, c'est ça. On en parlera après, mais moi, ça m'a vraiment profondément dérangée. Mais pour revenir sur la promo, effectivement, c'était... Enfin, on a vu pas mal de ce qui tournait beaucoup autour du fait que ce soit des stars, en fait. À chaque fois, on a vu une interview avec Pujadas, avec Fanny Ardant et Catherine Deneuve, qui était extrêmement gênant, où ils demandaient s'il n'y avait pas de la rivalité sur le tournage, vu que c'était des grandes stars, etc. Et c'est vrai que, comme il y a un casting uniquement féminin, forcément, on a envie de se dire, ah bah oui, elles se détestent, forcément, il y a de la rivalité. Non, mais ils en jouaient. Ozon, il en jouait. Il disait, il y aura des problèmes d'ego, il y aura des problèmes de machin. Enfin, c'est... Mais même, j'ai regardé une interview qu'avec Isabelle Huppert, qui ressemble à ma maman. Oui, elle était blonde et en 2002, et ma maman est blonde, pareil. Et du coup, j'envoie une photo en disant « T'es trop belle, maman !» Isabelle Huppert en 2002. bref, et du coup, et donc dans cette interview, c'est pareil, genre direct, c'est « Oui, donc il y a eu des tensions sur le tournage. » Et elle est « Bah non. » Enfin, oui, voilà. C'est ça. C'est hyper gênant parce que j'ai l'impression que toute la promo repose sur le fait que vous avez 8 femmes, oh là là, elles doivent toutes se crêper de chignon. En plus, c'est des stars. C'est vraiment. Alors, ouais, voilà. Elles ont des égos, sur le tournage, alors que franchement, quand tu regardes le making-of, c'est juste des femmes hyper concentrées. Mais quand ils disent que Béart, elle allait dans son coin, dans son pièce, parce qu'elle voulait pas être dérangée, qu'elle apprenait son texte. Oui, parce qu'ils font leur travail, ça avait l'air très sérieux. C'est terrible, mon dieu. Ah. Elle fait son travail, elle apprend bien son En fait, ça, mais ça, c'est parce que c'est un effet du film. Le film, on n'a pas dit, mais c'est un huis clos. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Le huis clos, ça veut dire que ça se passe dans un seul endroit. On y allait après. On est vraiment dans. On en sort très peu. Les anecdotes, ça. On en sort très peu, donc on est dans cette maison familiale et on n'en sort pas du tout, c'est-à-dire que tout se passe dans la maison. Donc très théâtral, vous savez ce qu'on dit, les unités de temps, l'unité de lieu, ça se passe en une... Vraiment, ça respecte. Hein. Unité de temps, donc c'est une soirée, unité de lieu, il n'y en a qu'un, et c'est quoi l'autre unité Espace, lieu, c'est pareil. C'est espace, Bon, c'est les unités du théâtre, vous regarderez vos cours de français. Ah oui, après, c'était le bac français lundi, bon courage. Bref, et en fait, donc, il y a un côté huis clos, donc forcément, si on enferme des femmes entre elles, elles vont se battre. Et genre, Ozon, il en joue tellement, c'est très... C'est donc le mec, c'est le réalisateur, et il en joue, il était là en train de dire, non mais, je leur ai envoyé des extraits. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est François Ozon, by himself, c'est et qui disait des trucs,
mais qui toi pour dire ça, même si t'es un grand réel, enfin vraiment moi je l'ai en face de moi, je lui dis mais tu veux quoi, il était un peu méprisant aussi quoi, c'est et puis très, lui il voulait être c'est ça, lui il aimait bien aussi être je redoutais des problèmes de jalousie ou des chocs d'ego. Il dit peut-être, et en parlant de Ludivine Sagné, il a dit peut-être que, donc c'est la plus jeune, c'est la toute petite, hein, elle est toute jeune, elle était pas très connue à l'époque, pas très connue, elle a été très maternée par les actrices. Et donc lui, il a dit, bon, bah, puisqu'elles elles vont s'occuper d'elle, vu que c'est la petite, que c'est des femmes. C'est des darons. Et lui il a quand même dit sur elle, donc dans une interview, peut-être je me suis permis d'être plus dur avec elle parce que je n'osais pas utiliser les autres comme bouc émissaire. Quand ça n'allait pas, je me vengeais sur elle. Bam, donc on n'essaie pas que de faire du Hitchcock, on essaie aussi de s'inspirer du comportement du réel, vachement bien. Non mais c'est ça, en fait, je pense qu'il a, c'était un peu son ego aussi d'être entouré de 8 femmes et de pouvoir aussi maîtriser ce qui se passe. Enfin, c'est clairement le film dit ça, quoi. C'est assez Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une promo. Enfin, en tout cas, ça a joué dessus. Ça a joué. C'était sûr que ça allait jouer sur le casting, mais que ça a joué sur le casting de manière à oula, on n'a jamais vu autant de, parce qu'il y a quand même des, enfin, il y a des ce qu'on peut qualifier de divas, des Catherine Deneuve, des Fanny Ardant, des Isabelle Huppert, des Danielle Darrieux, c'est des Manuel Bert, c'est des femmes qui ont des carrières. Enfin, Manuel Bert, elle a joué dans un Mission Impossible à ce moment-là, quoi. Dans le premier, enfin, il y a un truc assez, enfin, Ludivine Sagné, après elle joue avec DiCaprio, tu vois, un an après, enfin, il y a un truc où c'est des femmes qui sont en train de faire une carrière. Et il y a un côté donc diva un peu française, etc. Franchement, il nous manque que Monica Bellucci, Isabella Gianni, c'est la guerre, lui. Et c'est en fait, c'est ça a joué là-dessus, mais en même temps, carton plein, parce que film ultra exporté, ultra montré, cultissime encore. En plus, c'est ça fait très aussi le film français, avec des actrices très connues, des chansons françaises, etc., qui sont connues aussi. Voilà. Enfin, finalement, ça reprend bien toute l'image qu'on peut avoir du cinéma français. Mais c'est même caricature ce que le cinéma français devrait être. C'est ça, je disais, avec des actrices, Catherine Deneuve, la base, globalement. Mais, et qui représente la française. Ah oui, par excellence. Dans le cinéma, quoi. C'est surtout Béa, pour le coup. Moi j'ai beaucoup senti aussi dans le film quand elles se retrouvent toutes les deux, il y a ce truc où donc je spoil un peu, mais il y a le personnage d'Isabelle Isabelle Huppert, c'est le nom du chien, donc celle qui est je vois pas laquelle, celle qui est tu veux donner une couleur, la bonne en noir et blanc, ça peut prêter à la confusion de ouf avec Firmin Richard, ce que tu viens de dire. Oui, mais en fait, je parle des vêtements, pas des vêtements. Et en fait, elle explique être amoureuse de sa patronne, donc qui est Catherine Deneuve, qui est la dame avec le truc en léopard. Hein. Par là-bas et qui du coup et en fait moi j'ai trouvé que dans le parallèle ça faisait plus admiration en mode elle se ressemble beaucoup physiquement finalement mettre haute blonde même la coupe de cheveux etc. et ça faisait un peu héritage de ce truc là Rien que le tableau de la grande blonde là qui fait un blanc sur un tableau qui est un hommage ouvertement à Gilda qui est un film noir très bon film et on sait pas si c'est Emmanuel Béat ou en fait, comme le mari se tape les deux, parce que le mari c'est le mari de Catherine Deneuve, mais qui se tape aussi la bonne. En fait, il se tape un peu tout le monde. La bonne. Et sa fille. Ouais, mais c'est pas sa fille. Mais elle l'a élevée. Elle lui ressemble pas du tout, elle est brune, c'est pour ça que je suis là-dessus en fait. Donc, il se tape les deux, ouvertement, on le sait, au début, et en vrai, du coup, on sait pas trop, est-ce qu'il y a de la jalousie justement, parce qu'il y a la femme et la maîtresse, entre guillemets. Enfin, bref. Espèce de bordel et c'est ultra. C'est une classe sociale en fait, parce que ça dénonce. Madame Chanel, hein. Est-ce qu'elle s'appelle Chanel et elle est pauvre, tu vois en mode... Ouais. Non, c'est un vrai prénom français par contre. Enfin, moi j'ai une. Ah oui, Chanel aussi. Moi j'ai une fille dans mon collège qui s'appelait Chanel. Ok. Voilà. Du coup, pour lancer un peu les thématiques, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce que là on vous a bien présenté le film et un peu les enjeux de l'époque à sa sortie. Mais là, on s'est un peu axé sur, évidemment, le regard masculin, parce que c'est un film tourné par un homme avec uniquement des femmes. C'est un peu la caractéristique du film. Et du coup, on va plutôt s'orienter sur la question du male gaze. Est-ce que Maëva, qui connaît très bien le sujet, parle-nous le male gaze. Alors, le male gaze. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, parce que c'est un peu là qu'on va orienter un peu notre analyse et nos réflexions. Le male gaze, on en parle beaucoup maintenant. Ça a été théorisé il y a très récemment, je crois en 2014, par Laura Mulvey, dans un essai de cinéma. Le male gaze, c'est 1975. Ah,
C'est Laura Mulvey, mais c'est... Ouais, c'est 75, et c'est repris par Iris Bray récemment, en fait. Ouais. Oui, pardon, je me suis trompée. Oui, non, en pardon, France. Je me suis... En fait, c'est parce qu'elle a réécrit... Elle a réécrit, ouais, ouais. Mais excuse-moi. Oui, effectivement, 75, bref. La première fois, c'est Et justement, le male gaze, elle prenait comme exemple, bah, tu l'as cité, elle prenait comme exemple Gilda, parce que le male gaze, c'est le regard masculin, en fait, qui est porté dans une œuvre souvent audiovisuelle, mais on peut aussi l'extrapoler à d'autres genres et d'autres formes. Le regard masculin qui est donc un regard de voyeur, parce qu'elle parle en fait de voyeur, ça on en parle beaucoup moins quand on cite le male gaze, mais le voyeur en fait c'est le terme central, qui va donc orienter le regard et la façon dont une femme va se comporter, parce que de toute façon le comportement d'une femme, ou juste l'apparence physique, doit attraire un plaisir malsain, masculin, à laquelle la femme doit se prêter, sinon elle n'a pas de valeur. Donc elle est presque objet, donc il y a presque une valeur un peu mercantile à cette femme qui doit se montrer et qui sait qu'elle est observée mais qui n'est pas tout à fait observée. Et donc de cette figure de voyeur, le spectateur lui-même devient voyeur avec ce regard de male gaze. Et ce qui est assez fort, c'est que donc le patriarcat et même juste la société dans laquelle on est fait que même une femme donc spectatrice aura un male gaze, puisque toutes nos œuvres sont tellement entachées de ça que c'est presque devenu un standard du cinéma. Et donc c'est quelque chose qu'on déconstruit peu à peu, mais c'est vrai que même jusqu'à très récemment, hommes ou femmes, quoi, on a cette habitude de vouloir voir une femme un peu séductrice, prédatrice, une femme... soit coincé qui se libère, mais il y a voilà, toujours un peu clairement dans des trucs qu'on voit dans le film, donc c'est exactement drôle. Ça avec ce côté très sexualisé, et la libération passe forcément par la sexualisation, enfin ce regard de voyeur égale sexe, voilà à peu près ce qui était écrit dans son bouquin, si je me suis pas trompée. Mais ouais, c'est ça. Mais finalement, en fait, ça résume presque le film d'avoir bah oui, cette explication. Ouais. Et ça va aller un peu. Ça va il a mieux comprendre. Ouais. Il a vraiment fait. Ouais. Male gaze dans chaque personnage, je pense. Voilà, c'est ça. Il a pris l'autoroute du male gaze. C'est ma vision, finalement. Je suis un homme, j'ai un regard. Mais c'est vrai qu'on faisait une blague tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce truc comme si chaque actrice était un peu des pantins que François Ozon jouait avec ses personnages pour un peu raconter ce qu'il est. Qu'il a envie, quoi. On sent vraiment le regard masculin dans le film. C'est ça, et puis la figure présent. Du voyeur existe. Oui, parce que c'est vraiment ça, le fait de regarder de haut, quoi. Le père se fait tuer, l'homme de la maison. Le seul, seul personnage masculin dans le film, on ne voit que de dos. On voit la fenêtre de voix mort. Ah oui, de face. Ouais, mais normalement, avec un rideau. Oui, c'est ça. C'est un personnage qu'on visualise. Toutes les scènes où on le voit, parce qu'il y a un moment où en fait on explique ce qui se passe, ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc on le voit dans des flashbacks, on ne voit que ses mains, son dos, etc. Bon, j'avais fait une blague et en fait j'ai pas l'image, j'ai pas enregistré, c'est pas pour ça. J'avais mis parce que c'est impossible de trouver une image de cette personne sur internet, donc j'avais mis une image random d'un monsieur de dos. Et je voulais dire que c'était Marcel, puisqu'il s'appelle Marcel. Et je trouve que ouais, c'est hyper intéressant. Alors moi j'ai vu sur je crois que c'est sur Wikipédia que les gens disaient oui, non mais c'est un peu une figure de dieu, etc. Mais c'est ça, mais En fait c'est pas, pour moi c'est pas une figure de dieu, c'est vraiment le patriarcat, mais plus quoi. Ah oui, genre, mais dieu égale patriarcat, oui, en plus qu'il soit que sa chambre se situe en haut des escaliers, en plus même la mise, ce qui est marrant c'est qu'elles ont quand même réussi à tuer le patriarcat. Ouais, ce qui se suicide. Le patriarcat se suicide. On peut spoiler du coup. On apprend que en gros c'est une mise en scène donc du personnage de Ludivine Sagné qui est la petite en vert côté Maëva. Voilà. Là tout à droite, la petite en vert, la plus jeune avec la petite coupe. Vers toi. Voilà, avec la petite coupe au carré. Qui est la plus jeune, qui s'appelle Catherine. En fait, c'est une mise en scène parce qu'elle voulait aider son papa. Il était malheureux et il était torturé par ses femmes. Et elle dit torturé par 8 femmes. Donc elle se met dans l'eau. J'étais là, mais attends, mes frères, moi je me mettrais pas dans l'eau si j'étais à ta place. Bah ouais, clairement. Mais ok, et donc on apprend que c'est une mise en scène. Et en fait, le papa, il a appris tout ce qui se tramait autour de lui et de ce que faisaient ses femmes, en gros, qui se foutaient de sa gueule un peu. Ouais, c'était poli. Bah, qui l'utilisait, quoi. Voilà. Et du coup, il se suicide. Voilà. Et ça se termine. C'est random, comment il se suicide en plus. Mais en plus, c'est ça avec un. Devant sa fille. Mais en plus, devant sa fille, qu'il l'a comme. Et il y a le trauma qu'il va laisser à sa fille. Bah, elle l'a aidé, mais je la trouve quand même bizarre. Enfin, le personnage de Ludivine Sagné, au début, elle est toute mignonne, machin, en mille films. Et quand on voit les flashbacks de ce qui s'est vraiment passé.
quand on voit les flashbacks, elle est quand même cachée derrière son rideau en train de regarder son père avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes et elle ne bouge pas. C'est très c'est genre, elle l'a regardé, elle l'a séduit. Bah, il était consentant. Non, mais en plus, c'est, bah, c'est comme ça qu'elle le raconte en plus, sa fille, en disant à chaque fois, le prochain. Elle présente ça comme des tableaux en fait, parce qu'on a vraiment la solution de l'histoire où elle va raconter en flashback des premiers tableaux, donc première femme, et on a toutes les femmes qui passent au fur et à mesure dans la chambre du coup de Marcel. Et avec Ludivine Sani, qui le raconte, enfin elle le raconte de son point de vue. Oui, donc là, c'est le Sani gaze, finalement. C'est le Catherine gaze. C'est le Catherine gaze. Et du coup, c'est assez bizarre, effectivement, de voir la jeune fille. Enfin, en plus, elle va apporter un jugement sur toutes les femmes, sur toute leur attitude et sur elle-même aussi. Quoi, mais c'est sa propre mère et tout. Oui, c'est sa propre mère et tout, sur sa famille, quand même. Enfin, de dire, ah ouais, c'est très, ouais, elle vient traire la vache à lait en parlant de sa tante qui va récupérer de l'argent. Enfin, c'est... Puis alors, le rapport de François Ozon, enfin en tout cas du film, avec la sexualité des femmes. Oh my god. Mais c'est terrible. Mm. Genre déjà, elles ne peuvent avoir pas de sexualité épanouie avec un homme. Enfin, c'est forcément, elles sont maltraitées, etc. Mm. Et puis si elles jouent de leur sexualité, comme le fait le personnage de Fanny Ardant, qui est juste là. qui est la sœur de Marcel et qui donc Pierrette et qui est en fait une ancienne travailleuse du sexe. Enfin, je crois que c'est ça. Ouais, c'est oui, ça. Oui, actuellement, oui, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Oui. Mais en gros, elle a arrêté. Donc, elle est en retraite anticipée. Exactement. Et en gros, elle dansait, etc. Et elle vivait de son corps. Et en fait, ça, donc, elle est présentée comme un peu la femme épanouie, machin. Et en fait, au final, sa chanson, c'est être libre, mais si on ne peut pas être aimé, enfin. Genre, elle a besoin de. Oui, c'est qu'elle n'a pas d'amour. Moi, j'étais. Finalement. Mais vraiment, c'est horrible. Et donc, du coup, comme elle a été maltraitée par les hommes, parce qu'en fait, finalement, elle subit son choix de carrière. Et bien, du coup, elle devient lesbienne. Oui, c'est ça. C'est que oui, tu n'es pas lesbienne, elle devient lesbienne. Devient à cause enfin, elle n'est pas vraiment lesbienne parce qu'elle a le même amant que Catherine Deneuve. Oui, non, elle est amoureuse de cet amant. On ne sait pas si c'est son amant. Mais en tout cas, elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Oui, c'est vrai que c'est pas complètement dit, ça, d'ailleurs. Oui, mais quand elles en parlent avec Catherine Deneuve avant de se rouler une gigapelle sur le sol. Enfin, une gigapelle. Qui n'a aucun sens. Très chaste, mais bon. Pourrait revenir sur c'est la manière de traiter. C'est deux planches l'une contre l'autre et elles font comme ça. La manière dont François Ozon perçoit les lesbiennes aussi, c'est et bien, justement, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment truc de oh là là mais attention mais les hommes ne pourront jamais te respecter donc viens avec les femmes mais finalement en fait on est toutes les deux sur le même homme donc battons-nous mais quoi enfin genre stop en fait et puis faut qu'on se pécho pour briser cette tension qui n'existait pas jusqu'alors dans le film mais clairement. Incroyable non mais vraiment. On en parle de ce combat Fanny Ardant Catherine Deneuve. Non c'est pas des c'est des cris d'orgasme. Littéralement, vraiment, si vous voyez ce film, vraiment regardez bien cette scène qui est vraiment très très drôle. À regarder, vraiment. À voir, c'est très. Mais moi, dans mes souvenirs, c'était pas aussi, aussi gênant et aussi caricatural. Là, au cinéma, c'était gênant. Vraiment, tout le monde était mort de rire. Et j'étais avec un pote, genre, on s'est regardé et là, on a éclaté de rire. Enfin, ce n'est pas crédible. Ouais, mais c'est même censé être la potiche en fait. Ouais, la potiche qui se bat, quoi. Enfin, c'est ultra sexy. Mais deux potiches, quoi. Enfin, en fait, les femmes, quand elles se battent, elles je crois que c'est Louise qui a dit pendant le truc pendant la projection bon bah il manque plus que la boue mais c'est vraiment j'ai dit il manque plus qu'elle soit en bikini et dans de la boue. Mais c'est vraiment tous les commentaires de Louise derrière c'était magique. mais j'avais bu un peu de sangria. Il y a vraiment ce truc de fantasme de l'homme sur les lesbiennes. Mais il aime les mecs. C'est quoi son problème? Les gays! Mais oui! Et du coup, un gay ne peut pas. Si, mais qu'est-ce que t'essayes de prouver, mec, surtout? Oui! C'est parce que toi, en tant qu'homosexuel, t'as une vision. Alors peut-être que je m'embarque dans un truc ultra alambiqué. Avec des grosses pincettes. Donc je sens mes plus grosses pincettes. Mais est-ce que le mec il se dit, vu que moi je suis homosexuel. C'est vraiment, vraiment pincette. Voilà. Quelqu'un peut dire pincette en continuant? Pincette. Peut-être que le mec il se dit, en étant homosexuel, je peux avoir cette vision normale du couple lesbien. Mais non, mec. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Pourquoi c'est pas parce que les gays comme les lesbiennes ne représentent pas forcément bien les gays enfin je veux dire c'est pas parce que tu fais partie du souvent ils sont en guerre regardez Modern Family mais c'est quand même coécrit par une femme hein. Ah bah ça n'empêche pas le comme disait je fais la Google dans la sauce. Ouais, enfin Hitchcock il a coécrit tous ses films avec sa femme. Je ne suis pas mais c'est pour ça ouais, que mais elle a écouté Hitchcock pourquoi elle a rien fait en fait le mec gay c'est la misogyne mais parce que ça tirait d'une pièce.
Mais et puis, ouais. Tu suis un texte. Oui, mais tu peux la, tu oui, peux ouais, la changer. Mais c'est pas parce que t'écris. Non, mais ça se trouve, la pièce, elle est pas du tout. On sait pas comment est le texte. On sait pas ouais, comment ça se raconte. Il y a plein de choses qui jouent aussi sur la mise en scène. La voix de Pierrette, elle joue aussi sur ce qu'elle raconte. Ouais. La voix, la façon dont parle Emmanuel Béart, ça parle aussi. Bah, le choix du casting, il est tout, pas tout, leur dedans, costume, leur, la façon dont elle marche, la façon dont elle parle, la façon dont elle bouge. Tu vois, oui, même le choix. Il oui, y a ça aussi qui joue. Donc ça se trouve, tu lis la pièce ou tu lis le texte et t'es là, tu fais ouais, ok, c'est normal. Parce que je trouve qu'il a joué un peu sur l'image que de ces actrices à cette époque, quoi. Enfin, même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, leur image n'a pas énormément changé, je trouve. Enfin, ont peut-être un peu évolué pour certaines, mais je trouve qu'il a vraiment pris ce qui avait marqué ces actrices à cette époque pour en faire un personnage hyper caricatural. Bah, tu regardes Lindsay, elle était quasi inconnue, enfin pas très connue. Inconnue du bataillon. Ça reste la petite un peu cachée qui à la fin se révèle être l'espoir de. Parce que c'est la seule qui fait tout, elle est omnisciente. Exactement. T'as Isabelle Huppert qui joue la Poinceuse, qui est quasiment tous ses rôles, mais qui le déglingue ce rôle-là. Alors, par une scène de révélation. Oh, là tu parles de quoi? Descend des escaliers. Attends, ah oui! Attends, je suis déjà belle. Voilà. Et voilà. Je suis belle. Bah, c'est clairement aussi. La série sur Prime Video l'été où je suis devenue jolie, c'est clairement ça. La meuf devient jolie parce qu'elle a enlevé ses lunettes et qu'elle s'est détachée. Comme dans aussi Breakfast Club aussi. Non, mais c'est tout, ça. Ouais. Comment elle s'appelle aussi? Les lunettes. Dans le film Not Another Teen Movie, que je vous recommande, qui est une parodie des Teen Movie. Donc c'est Chris Evans, c'est une parodie de. She's all that. Mais c'est elle, je sais plus quel est le titre en français. Elle est quelque chose. Je sais plus. C'est un film voilà de base. Le film est avec Samuel Prince Jr. là qui joue dans Scooby Doo. Voilà qui fait Freddy. Qui sort avec Sarah Jessica Parker. N'importe quoi. Et Sarah Michelle Gellar. Qu'est-ce que je raconte moi? C'est un film de base qui s'appelle She's all that et qui raconte l'histoire d'un mec qui va prendre une loseuse pour la transformer en reine de promo. Et donc Not Another Teen Movie, c'est le même genre de film avec Chris Evans, c'est une grosse parodie. Et au moment du makeover, vraiment, la meuf, elle lui détache les cheveux, elle lui enlève ses lunettes, et elle la regarde, elle fait « I'm done ». Et c'est juste ça, le makeover, et c'est hyper drôle. Là, le makeover de Isabelle Huppert. Transformation. Non, je l'ai pas mis. Mais donc il y a un truc comme ça. C'est la transformation de la Non, et puis surtout, il y a un truc de comportement. Elle parle hyper... Enfin, c'est quelqu'un d'hystérique dans le film. Et là, son amour parle hyper calmement, qui est hyper posé, qui a de la répartie et tout, qui tacle. Enfin bref, moi je préfère quand elle est hystérique. Oui, mais non, mais c'est ça, moi aussi je l'aime trop. Elle change tout. En plus, elle a une grande traîne en plus. La mer dans... dans le placard. Ah, je me dis, bonjour. Oui, parce qu'on a en fait. Elle va se réveiller toute seule. Parce que dans les films, on a forcément plusieurs conflits de la famille. Des histoires de famille. Elle n'est pas lesbienne. Parce que pour resituer, pour les personnes qui n'ont pas vu le film, en fait, forcément, le fait d'avoir ces 8 femmes enfermées avec cette histoire de Marcel qui est potentiellement mort, ça révèle des secrets de famille. Et il y a notamment la grand-mère, donc celle en Daniel Darieux. Daniel Darieux, qui est censée ne pas savoir, ne plus pouvoir marcher et qui finalement se lève. Et en fait, on a comme les handicapés en général, pourquoi on leur donne des places bleues? Alors finalement, Danielle Darieux, qui se lève toute seule. Ouais. C'est la preuve que les handicapés se foutent de notre gueule. Alors un film, il est validiste, il est un film homophobe, alors que c'est écrit par un gay, il est sexiste. Ouais, mais c'est super. Mais elle a tué son mari. Ouais, on apprend qu'elle a tué son mari en fait. Elle l'a empoisonné. Ouais, parce qu'elle se faisait chier avec lui. C'est même au-delà de ça. Ouais, non, mais c'est horrible. Mais après, en plus, elle l'apprend à Isabelle Huppert, du coup, sa fille. Et là, ça part dans une engueulade où elle lui dit je vais te tuer. Puis l'autre, elle lui fait vas-y, tue-moi. Enfin, ça devient complètement ridicule. Le coup de bouteille. Catherine Deneuve qui donne un énorme coup de bouteille sur sa tête. Mais pas dans la demi-mesure, elle aurait juste pu la sortir de la pièce. Ouais, elle la prend comme ça, elle dit allez, range-la dans le placard, hop. Et puis. Mais ça, je sais pas si c'est dans la pièce de théâtre, mais je la trouve super cette scène. Enfin, ouais, j'espère tellement. Ouais. Et quand elle la ressorte. Ouais, genre avec ses cheveux en pétard comme ça, genre le truc. Oh, j'ai oublié ce qui s'était passé. Je savais que Marcel était mort. Et puis Isabelle Huppert qui dit ah bah, il y a des choses qu'on vient oublier. Ouais, c'est très parti. Ouais.
Alors parlons un peu peut-être des chansons, c'est parce que là je vois que tu as, oui, tu as mis donc parce que c'est des chansons de toutes enfin connues de la variété française des années 60, donc on a du comme Marie Laforêt, du Sheila, Dalida aussi, enfin bon, des chansons assez De quoi? Brassens. Ah, il y a Brassens. Bah ouais. Ah oui. C'est laquelle? C'est laquelle Brassens? Il y a une chanson de Brassens. Il n'y a pas que des chansons de femmes en fait finalement donc. Et donc ouais, c'est le film est ponctué de ces moments-là, et on parlait de la mise en scène tout à l'heure parce que je trouve qu'en fait la mise en scène reste très très théâtrale, et contrairement à ce que tu disais Maëva, moi je trouve au contraire que les musiques il y a vachement enfin c'est très stéréotypé quoi, il y a tout de suite une lumière et il y a une sorte de choré un peu La lumière aurait pu faire arriver un peu plus de d'accessoires ou de la déco, tu vois, je trouve que ça vu que tout est très théâtral, même s'il y a un petit changement, je trouve diégétiquement ça me sort pas encore assez. Mais après c'est qu'une opinion, je trouve. Oui, c'est vrai. Vrai que ça c'est un peu c'est vrai que ça t'as l'impression que ça fait partie du même univers que que l'univers classique, alors que ça n'a pas forcément de sens. Tu peux aussi tu dans une comédie musicale intégrer de la musique. Ouais, je suis d'accord, mais là le truc c'est que c'est vraiment des séquences très séparées. Ah, je suis pas d'accord, pour moi c'est un lien. Toutes les chansons ont un lien exact avec ce qu'elles sont en train de se dire. Pas dans la mise en scène. Non, exactement. Mais justement, parce que tu rattaches la musique directement à ton scénario et à ce qui se passe et à ce qu'elle raconte. Vu que tout est très pop, coloré, over the top et que tout est très théâtral, il faudrait encore partir plus loin dans les codes de la musique. Mais non, il peut pas faire ça, je t'ai dit que c'était un réalisateur en sursaut. Oui, justement, c'est ma critique de lui, c'est que pour cette scène musicale, il aurait pu vraiment y aller, quoi. Tu vois, genre La La Land par exemple, t'as la scène où ils sont dans l'autoroute, genre t'as plein de gens qui arrivent avec Non, c'est génial. Bah là, il y a que 8 femmes. Hein. Mais parce que La Laine, ça correspond, ça va suivre le côté les comédies musicales américaines de l'époque, etc. Là, on est dans un truc. Moi, franchement, ça me gêne pas du tout, justement, que les chansons soient comme ça et qu'elles soient amenées comme ça et la façon dont elles sont chantées d'un coup. Parce que moi, déjà, pour moi, c'est du demi. C'est une façon de. Alors, demi, ça va être amplifié parce qu'il va y avoir des numéros de danse. Ouais, je préfère demi. Elles savent pas danser et elles vont pas danser. Enfin, je sais pas si elles savent pas danser, mais il veut pas les faire danser. Ah, moi, ça me dérange pas. Ah, danse, oui, mais il y a des petites chorés. Moi, ça me dérange pas. Moi, je sais, par exemple, dans le film de René, on connaît la chanson. J'adore justement que la chanson soit. En plus, c'est que du playback, mais j'adore que la chanson soit juste droppée. Genre, comme ça, et moi je trouve que j'ai pas besoin qu'on me sorte un numéro avec des chorégraphes. J'ai pas besoin que ce soit à part en fait. Moi ça me va très bien la façon dont c'est fait. Je trouve ça plutôt intéressant. J'ai pas dit à part, j'ai dit d'aller plus loin. Ouais, mais moi je trouve pas que ce soit utile. Enfin, moi je trouve pas que ce soit utile. Moi en fait, c'est plus que les trucs des deux sœurs, les deux gamines qui sont là. Leurs deux chansons sont dansées et elles sont deux, alors qu'il y en a qu'une seule qui chante. Et c'est la première, c'est pareil quand t'es plus dans le coup papa et qu'elles sont à trois à danser. Et ben moi je pensais que ça allait être ça sur tout le film, sur toutes les chansons. Et au final, les plus âgées, alors c'est peut-être aussi, enfin là je sais pas, ça me vient, mais ça se trouve, c'est peut-être un moyen de dire qu'elles sont seules, tu vois, genre dans la vie, en fait elles sont très seules. C'est peut-être ça, mais je sais pas, il y a tout un truc de mise en scène qui me manque dans le sens où elles sont, c'est très très plat. Ouais. Je trouve que c'est une mise en scène très plate. Moi, pour quelque chose qui pourrait être un peu très excentrique. Ouais, exactement. Oui, limite, tu vois, un peu. Ouais, en fait, moi j'ai limite oublié. C'est pas ce qui me marque dans les musiques. Alors que les moments où ça chante pas, je me rappelle plus de mise en scène, de découpage, de lumière, de décor que quand elle chante. C'est trop bizarre, vraiment. Ouais. Ah ouais, je sais pas, papa. Mais après, t'as grandi avec aussi, tu l'as vu beaucoup plus. Bah, moi, c'est ça, c'est que j'ai connu les chansons avant et j' ai vraiment grandi qu'avec les chansons. Donc, en fait, moi, quand j'ai vu le film pour la première fois, j'attendais ces moments, ces scènes musicales parce que je les connaissais et que j'ai trouvé. Elles sont pas toutes hyper entraînantes, mais la plupart, on va dire, il y a 3-4 musiques, ça va. Mais c'est vrai que sinon, c'est assez déprimant quand même, on va dire. Mais en fait, c'est assez drôle parce que là, en parlant de la différence entre les chansons, entre les deux plus jeunes. Du coup de sa sœur, alors je sais plus les prénoms, mais celles qui Catherine sont... Catherine et... Mais c'est simple, t'as une espèce de chronologie des chansons, elles vont être joyeuses et dire... Oui, c'est ça, être amoureuses ou parler de leur famille, machin, et elles, après les plus âgées, elles sont déprimées, seules... Non, et plus t'avances, donc t'as Emmanuel Béart qui dit en gros, je me libère sexuellement, elle est au milieu dans les âges, tu vois, elle se libère sexuellement. Ouais. Oui, ensuite, tu vas arriver vers Isabelle qui est triste parce que la vie c'est de la merde et qu'elle est abandonnée.
Ensuite, et parce qu'elle a jamais connu d'amour. Ensuite, t'as Fanny Ardant qui a connu l'amour et qui dit c'est de la merde. Ensuite, t'as Catherine Deneuve qui dit j'ai connu l'amour, c'est de la merde, mais j'en ai trouvé un autre qui est mieux. Ouais. Et ensuite, t'arrives à Daniel Darieux qui dit il y a pas d'amour. Oui, ok, oui, oui, ça existe pas. Et en fait, t'as une espèce de chronologie de l'amour. On n'a pas parlé de Chanel aussi qui a une chanson quand même. Oh ouais, mais c'est une qui s'appelle Pour ne pas vivre seule. Oh ouais, non, mais en fait, tu es lesbienne, c'est la seule. Ouais, tu suis une vraie chronologie en fait de t'as l'amour, tu commences avec de l'amour paternel et de l'amour d'enfant. Ouais. Tu vois, et du complexe d'Oedipe, parce que moi je pense que le personnage de Medina Sani a un énorme complexe de. Oui, les deux quand même, il y en a une qui va aussi. Moi j'arrive pas trop à savoir si c'est consenti ou pas. Mais ah oui, ça c'est un peu le flou et ce qui est un peu gênant. Parce que Susan, le personnage de Virginie Ledoyen, est en rose tout au bout, là. Est enceinte de Marcel qui n'est pas son père. Biologique, mais qui est son père. Elle ne le savait pas, elle. Bah oui, justement, c'est bien tout le problème. C'est oui, c'est à dire qu'elle a eu mais un rapport. En fait, moi, genre, sur. Je sais plus, je crois que c'est sur Wikipédia, encore une fois. Il faisait l'hypothèse que elle. En fait, en gros, pour énerver sa sœur, elle dit que c'est son père. Enfin, que c'est Marcel, le père de son enfant. Mais moi, je trouve que. Tu penses qu'elle ment vraiment... Non, moi, je pense qu'elle ment pas. Moi, ça m'a vraiment profondément heurté de me dire. Donc là, il nous balance un inceste, parce que même si c'est pas biologique. Oui, mais ça reste son père. Ouais. C'est son père, surtout qu'elle ne le savait pas. Et on sait pas si c'est consenti. Et on sait pas si c'est consenti, si c'est une vraie relation. Enfin, si c'est une relation. Même si l'inceste pose problème dans. Bref, on va pas partir sur ces débats-là, parce que. Sinon, on va sortir les pincettes après. Et en plus, exactement. Non, mais inceste ou viol, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, moi j'ai été profondément choquée qu'il aille pas plus loin. Enfin, ça reste de la surface. En fait, c'est soit c'est Woody Allen, soit c'est Harvey Weinstein. Parce que Woody Allen, il a une relation avec sa fille et qu'ils sont mariés et que c'est du consentement et ils veulent. Ils ont... Voilà. Bah, si. On va pas partir sur ça. Mais la famille, c'est pas que des liens de sang, je trouve ça. Tellement chaud. Non, mais c'est hyper. C'est... Alors là, on n'enlève pas. Mais soit c'est du. Donc, c'est Woody Allen et c'est un truc où il est quand même marié à sa gosse, enfin sa fille adoptive. Soit c'est de l'autre côté où c'est un viol. Donc, c'est les deux choses un peu. C'est un peu chelou. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Parce que ça reste quand même l'homme qui l'a élevé. Mais justement, en fait, c'est pas approfondi. C'est un cheveu sur la soupe. Pour moi, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On s'est regardé avec mon pote, on s'est dit, mais non, là, c'est trop. Mais c'est surtout que genre, elle fait. Parce qu'en fait, Marcel, c'est le père de mon enfant. Et là, changement de plan, cut, on passe oui, un oui, tour oui, et toi t'es là, on drop un truc hyper, hyper craint quoi. Pour le coup, c'était le plus limite, tu aurais écrit fin, ça m'aurait pas choqué quoi. Genre, ouais. C'est hyper étrange comme manière de faire. Je sais pas s'il y avait volonté de développer ce truc là, mais moi je trouve que ouais, c'est un peu choquant comme manière de faire. Oui, puis de pas en fait on en parle quasiment pas après en fait, c'est genre c'est laissé comme ça. On sait qu'elle est enceinte. Voilà, mais il y a plein de trucs dans ce film qui sont lâchés comme ça et on y retourne plus et t'es là genre à quoi ça a servi? Genre j'ai tué mon mari, et après on y revient pas. Parce que j'ai fait un surface. C'est que ça, et pour moi les personnages, ce qui fait que le film pour moi est un film misogyne, c'est que je sors les grands mots. C'est que pour moi en fait c'est tous les personnages sont antipathiques, mais rien n'est développé. Genre, en fait, elles sont antipathiques parce qu'elles n'aiment pas les hommes. Parce c'est une justification de merde. Parce qu'elles ne sont pas capables d'être aimées ou d'aimer. Enfin, c'est que des trucs comme ça où tu te dis, mais en fait, va plus loin. C'est pas du tout. Ça, c'est purement. Comme c'est de la surface, ça reste un film très, très mais même les personnages, c'est ça. En fait, ils sont ce qu'on disait, c'est soit des familles à l'argent, aux hommes. En fait, c'est forcément, ça tourne autour de ça, de l'amour des hommes, de plaire aux hommes et d'avoir ce rapport-là, en fait. Et même le seul personnage lesbien, au final, c'est elle chante une chanson pour ne pas vivre seule, quoi. Donc, en gros, qu'elle est seule, donc, du coup, elle va vers les femmes. Oh, elle est horrible, elle met angoisse, cette chanson. Enfin, vraiment, c'est très angoisse. La Louse, quoi. Et même le personnage vraiment Jean-Michel Lalouse. C'est très incestueux comme atmosphère, parce que la relation entre Pierrette et son frère, donc Marcel, toujours le seul homme elle dit « oui, c'est l'homme qui m'a fait le plus mal », etc. Et ça fait vraiment comme si elle le mettait sur le même plan que les hommes qu'elle a séduits, ou qui l'ont séduit. Moi, je trouve que dans son discours, ça donne ça, c'est pas... Enfin, elle le présente pas comme son frère, mais comme un homme. Oui. Et comme un homme, voilà. Et moi, ça m'a sincèrement... c'est un discours qui, moi, me dérange de trucs, d'ambiguïté, d'inceste, de tu sais pas trop comment te placer. C'est un peu Game of Thrones.
empire, parce que Game of Thrones, à la limite, les personnages... C'est assumé. Voilà, mais je te viole, je te viole, j'assume. Et non, mais même, ils ont une profondeur psychologique, là. Alors, je suis d'accord, c'est un truc un peu théâtral, donc forcément, mais justifié de juste, je me faisais chier, donc j'ai tué mon mari, excuse-moi, mais dans quel mais, monde, mais, dans en plus, monde c'est... mais en plus, elle le dit qu'il était un homme gentil, etc., donc il y a quand même un truc... Elle dit juste, elle lui dit, il était gentil, il est en souvenir, mais je ne pouvais pas me le voir. Oui, mais justement, c'est... En fait, ça l'a... Bah ouais, non, mais elle a... Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas un personnage qui peut rattraper l'autre. Enfin, il y a toutes les... Toutes ces femmes sont... toutes... manipulatrices, méchantes, toxiques. Il n'y a pas une brindille d'amour dans le truc. Quoi. Non, et de tendresse et de bienveillance. Et il n'a aucune affection pour ces personnages, clairement. Et pourtant, il y avait matière... Je trouve. Bah ouais. Parce que Isabelle Huppert, oui, ah oui, elle est hyper drôle, machin et tout. Mais en même temps, c'est une femme. Enfin, c'est un personnage hyper intéressant qu'il aurait pu développer. Bah ouais. Il n'a pas fait. Emmanuel Béard, il développe le personnage en mode. Finalement, en fait, elle n'était pas là pour le mec, mais bien pour la dame. Quoi ? Ouais. Il y a que c'est que des trucs comme ça, ça sort d'où quoi. C'est... Tu comprends pas ce qui se passe. Chanel, elle est là, mais bon, c'est un peu la caution. Oh, elle sert à rien. C'est un peu la caution. Il fallait une femme noire dans le truc. Et lesbiennes. Ah oui, c'est ça. Mais en plus, c'est la femme de ménage. En fait, je pense qu'il y a plus de personnages que j'aime pas que j'aime dans ce film. Ah ouais, non, clairement. Parce que tu vois, j'aime pas le personnage de Chanel, j'aime pas le personnage de Fanny Ardant, j'aime pas le personnage de Susan. Je la trouve insup. Ah oui. Ah, j'ai envie de la claquer moi, sinon. Et j'aime pas spécialement le personnage de Catherine. Oui, mais c'est pas écrit du genre elle prend en charge l'enquête alors qu'elle sait très bien qu'elle aussi elle était dans la maison et tout. Ouais. Mais et puis il y a ce truc de la petite fille sage qui finalement n'est pas sage. Et moi je trouve que c'est toujours. Enfin, c'est caricatural, certes, c'est la volonté du film et tout. Mais je trouve quand même qu'il y a ce truc très dérangeant de. On n'apporte pas de nuance à la chose et en fait finalement on en revient à la conclusion que c'est de la façade, c'est de la surface et que le fond pose problème et on a vu récemment, j'ai pas d'exemple mais on a vu récemment des films qui peuvent être des grosses blagues et des gros trucs un peu qui tâchent et pour autant, faut que je trouve un exemple. Mais y a quand même un fond où tu comprends que il y a une tendresse pour les personnages et que certes c'est des tu vois enfin je sais pas pour moi c'est plus peut-être dans des séries bah, Game of Thrones c'est un bon exemple encore c'est vrai, parce que les personnages sont pas sympas genre les films de Dupieux tu regardes Cersei c'est une grosse connasse mais elle a de l'affection pour les bonnes personnes et c'est juste que la position c'est de des personnes en fait je trouve que récemment on a réussi à dans les films dans les séries ils ont réussi à développer des personnages qui sont pas des personnages cons. Positif. On est censé aimer. C'est pas des personnages positifs. Voilà, et qui sont antipathiques, et pour autant, c'est pas forcément que tu entres en empathie, mais tu comprends ce qui se passe. Ils sont nuancés. Et t'arrives à. Voilà, ils sont bien écrits. Là, moi, je trouve qu'en fait, c'est pas bien écrit. Enfin, les personnages sont pas bien écrits. Mais après, je suis pas sûre que ce film soit fait pour qu'on aime les personnages au-delà de ça. Non, mais tu peux ne pas. Moi, il y a plein de films que j'adore où les personnages vont être détestables. Par exemple, dans Mandibule. Moi, j'ai adoré ce film de Quentin Dupieux. Je trouve que tous les personnages. Enfin, j'ai un peu d'affection pour un personnage, c'est Adèle Exarchopoulos, parce qu'elle me fait rire, mais en vrai, elle me gonfle. Tu vois, enfin, mais son personnage est relou. Oui. Tu vois, on va rappeler les bonnes manières. Frère, ça va, on est en vacances. Tu partiras pas en vacances. Voilà, non, mais ils sont tous imbuvables. Mais même dans le dernier, dans Incroyable, mais vrai, mais ils sont tous. Mais en fait, tu peux faire des personnages ouvertement détestables et les apprécier pour ça. Et là, j'ai pas l'impression que... Mais t'es même pas obligé de les apprécier. C'est le flambeau. Mais tu peux avoir un attachement, tu vois, exactement, avec les personnages. Le là, c'est qu'elles sont toutes détestables et t'as aucun lien qui peut faire que tu les apprécies. Ceux qui arrivent à faire de très bons personnages détestables, vraiment méchants, mais avec qui se passe un truc, t'as pas forcément de l'affection, quoi, mais il se passe un truc, c'est les Belges. Non, mais c'est vrai, le cinéma belge, c'est que ça. C'est faire des personnages... complètement pourri, complètement merdique, qui sont des. Enfin, je suis désolée, mais c'est arrivé près de chez vous, c'est un putain de tueur en série, tu vois, qui est complètement foutraque, qui viole, qui tue, qui fait des cocktails avec des noms d'enfants tués, enfin, qui en a rien à faire, etc. Et pourtant, tu ne peux que regarder Benoît Poulevard, tu peux que regarder ce personnage. Oui, et puis même elle a raison dans, par exemple, Le Flambeau, enfin, tu vois, les personnages sont. Mais tellement énervants, et en même temps. Ça dépend lesquels.
Tu... Oui, mais par exemple, Marc. Oh, mais ils sont créés pour être énervants. Enfin, genre... Oui, c'est ça, un caractère énervant. Et pourtant, tu sens que. Mais c'est le côté humoristique aussi, je pense. Et tu sens que les créateurs et créatrices aiment leur personnage. Et même dans La Flamme, tu vois, parce que c'est pareil, c'est plein de femmes autour d'un homme. Et pourtant, je trouve ça beaucoup moins problématique que 8 femmes. Ouais, mais parce que c'est pas la même époque. C'est pas la même chose. C'est bien ce qu'on dit. Mais c'est. Enfin, tu vois, c'est bien ce qu'on dit. C'est que ça, c'était dans une. Moi, pour moi, c'était dans un contexte très misogyne. Les femmes entre elles sont méchantes, c'est un petit prix de base. Et qu'elles aiment aussi les hommes et méchants, quoi. C'est la chanson de Catherine Deneuve. Hein, bah, c'est ça, il ne me complimente jamais, il est hyper méchant, désagréable, il ne me remarque pas, mais du coup, c'est pour ça que je l'aime. Et après, après la grand-mère qui tue son mari parce qu'il était trop gentil et trop chiant, donc en fait, finalement, les femmes aiment les hommes dominants. En fait, c'est un film de nice guy. Ouais. Le nice guy, c'est le gars qui s'autoproclame gentil et qui va dire après mais je comprends pas pourquoi les filles elles veulent pas de moi, en fait c'est parce qu'elles n'aiment que les garçons méchants et les rebelles. Bah ça clairement c'est le genre de film qui va alimenter ce genre de croyance ça m'énerve marre, quoi. C'est c'est le fameux bad boy de Camaro. Ouais. On a chanté Femme Like You, et tu chantais Bad Boy et ça la faisait rire parce qu'elle disait que ça ne me ressemblait pas du tout. C'est que tu voulais un Bad Boy. Ouais, exactement, je voulais un Bad Boy. Et ça, c'est un cliché qui a vachement été renversé dans la comédie romantique, parce qu'avant, elle finissait avec les Bad Boys, et maintenant, elle finissait avec l'intello. Elle finissait avec le meilleur ami, en fait, qu'elle n'avait jamais vu depuis tout chaud. Oui, mais alors, il fait 1m90, il a des gros muscles, et là, quand tu souris. Non, mais Going On, tu vois, par exemple, Going On 30. Il a fait un petit. Il a eu un. Non, mais voilà, Going On 30, elle commence, Jennifer Garner, son meilleur pote, c'est un petit tout petit mec comme ça, là, qui est vraiment l'air d'un cassos. Et après, pour que ce soit à 30 ans, Marc Ruffalo, bah moi je le prends, l'enfant cassos, ouais, si dans 30 balais c'est Marc Ruffalo. Mais tu peux pas le savoir aussi, tu vois. Ça, genre, mais elle finit avec le nice guy, elle va pas avec le beau mannequin. Et ça, c'est, vous regardez les dernières comédies romantiques Netflix, elles sont toutes, bah, Tall Girl, là, que j'ai trouvé très mauvais. Elle revient, elle finit avec son meilleur pote parce qu'en fait c'était lui. Non, mais du meilleur pote, mais en fait, il était petit, mais il avait toujours une caisse avec lui parce qu'en fait il attendait le moment. Mais non, dans la deux, il l'a plus. Après, le pire, c'est que du coup, ça fait la croyance que. Et avoir la même taille qu'elle. Et attends, il y a un deux. Bah, il met des talonnettes comme Nicolas. Ouais, je crois. Nicolas, depuis qu'il est avec Carla, c'est talonnette. Mais c'est du coup, vrai. Ça fait la croyance que les hommes et les femmes peuvent pas être amis, parce que dans tous les cas, ils finiront ensemble. En fait, c'est un peu ça, quoi. Ça. Bah, dans ces films-là, en tout cas, les comédies romantiques où la meuf finit avec son meilleur ami. Oui, bah voilà. Mais en tout cas, sauf dans Stranger Things, parce que Robin est lesbienne, voilà. Exactement. Si tu veux essayer, meilleure voilà. relation d'ailleurs. Ouais. On est parti trop loin, parce que là, il n'y a pas d'amitié homme-femme, hein, puisqu'il n'y a, pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. L'homme est de que l'homme est absolu. Et alors là, si on parle d'un test Bechdel. Oula. Ah là, mais en fait. T'as moins 8000. Mais c'est bizarre parce qu'il y a j'avais vu un article. Article où il disait que ça passait parce que, mais alors qu'elles font que parler d'un homme, enfin c'est 8 femmes, donc je pense que tu dois avoir 3 conversations où on parle de pain, mais enfin de trucs à part, ça veut dire genre de plantes, de robes, voilà, de neige, oui. Mais globalement, si tu prends le thème du film, l'homme, enfin c'est qui a tué cet homme, quel est ton rapport, après pour les pour leur défense, il y a eu un meurtre, et en même temps c'est sûr que tu vas en parler du gosse qui est mort. Oui, non, c'est sûr qu'il y a un scénario. Du coup, c'est le scénario. Il ne faut pas dire son nom. Évidemment, c'est l'acte de mort. Bon, on va pas parler, il y a un cadavre à la chambre du premier, mais mais bon, on va faire autre chose, on va fermer la porte. C'est que ils ont choisi, ils auraient pu choisir de tuer la Moi j'ai une question, c'est à quel moment le daron il s'est dit que ce serait une bonne idée de faire, oui, parce qu'il a cautionné. T'as ta gamine de 14 ans qui vient de voir, qui fait papa, alors j'ai une idée monstrueuse. Avec du ketchup sur le dos. Alors en fait, comme elles te font tout chier, on va faire genre tu meurs. En fait, tu meurs pas, t'apprends tous les secrets. Et tu regardes tout par la fenêtre. Ça va te rendre un peu dépressif, mais t'inquiète, et après on se tire. Ouais. Mais en plus, à quel moment il s'est dit qu'il va partir avec sa petite fille, enfin, genre. Non, et puis qu'il se suicide devant tout le monde, genre crois, t'es sérieux. Bah, non, pas la devant tout le monde, devant sa fille la plus jeune, quoi. Tu as une réaction ultra, ultra douce quand même. Parce qu'elle hurle. Et après, il y a sa mamie qui lui chante une chanson, et c'est fini, quoi. Oui, elle lui dit, c'est quoi les chansons de la grand-mère, d'ailleurs? Ils font tout ça dans les escaliers. Il n'y a pas d'amour heureux. Voilà, on finit là-dessus. Ils font tout ça comme ça. Et en fait, elles sont dans les escaliers, comme ça. On est toujours dans cette ambiance incestueuse, parce que quand elle chante cette chanson, enfin, pour moi, cette chanson-là, c'est sur l'amour romantique. Et là, elle dit, il n'y a pas d'amour heureux, comme si sa fille... Enfin, la petite fille... Comme s'ils avaient un rapport amoureux avec cet homme, en fait. Oui, quelque part, oui. Aucune rapport de sain. Ouais, sain. Exactement, je cherche le terme, mais toutes les relations sont toxiques. Que ce soit par l'argent, par l'amour. Et si le problème c'était pas cet homme?
le pouvoir. Ah, notamment. Peut-être que nous arrêterons maintenant. Mais peut-être que Marcel, peut-être qu'il a un nom de famille et c'est un acronyme genre de François Ozon, tu vois. Conclusion, est-ce un film féministe? Non. No. Ah bah en fait, on a posé la question dans ce sens-là, mais évidemment, c'était la réponse c'était une question rhétorique parce que la réponse est non. Évidemment, un film de François Ozon avec 8 femmes, ça va être difficilement féministe. Enfin, ça aurait pu, cela dit, mais quand on reprend sa filmographie. Oui, ouais, bah, voilà, il n'y a pas de conclusion, François Ozon est une araignée d'eau qui reste en surface. Voilà. Oh, oh là là. Oh. Et on a tout dit qu'on a aimé le film. Mais en tout cas, François Ozon est rhabillé. C'est les trucs qui flottent, qui sont en surface. Littéralement. En tout cas, moi je trouve que François Ozon est rhabillé pour l'hiver. Là, il a une garde-robe. Ah putain, et heureusement qu'on parle pas de son dernier film. Je l'ai pas vu. Ouais, j'ai un personnage. La direction artistique du film. Non, lui. Et c'est lui qui était à la caméra. C'est vrai, la chef pas d'ailleurs. Épargnez-vous son dernier film. Mais j'ai l'impression que beaucoup de réals en ce moment, c'est un peu. Oui, bah, surtout des réals qui. Alors ça dépend. Des noms. Ouais, mais si tu comptes, tu rebalances avec. Moi, je trouve que le dernier film d'Azanavicius, il est absolument formidable. Ouais, j'ai trop hâte de le voir. C'est trop bien. Avant de passer sur les recours, on pourrait faire un petit bilan du film, un petit tour de table pour clôturer cette analyse de 8 femmes. D'ailleurs, on vous conseille de le voir ou de le revoir parce que ça reste un classique et que ça reste un film. Voilà, évidemment, à regarder, comme on disait. C'est un bon film de dimanche soir ou de samedi soir. Ouais. C'est un film qui se regarde avec une tasse de thé. Alors moi, j'ai mon petit rituel, c'est un peu bizarre, mais je le regarde à chaque Noël. C'est mon film de Noël. Mais c'est un film de Noël. Mais c'est un film de Noël. Et vraiment, c'est un peu mon rituel. C'est marrant parce qu'on en parlait avec Roman en revenant de la séance. Elle me dit, c'est mon film de Noël. J'ai dit, putain, mon film de Noël, c'est Piège de cristal. Vraiment pas la même ambiance. Voilà, mais ça dépend quelle ambiance vous voulez pour Noël. Mais je trouve que ça change un peu les films de Noël qu'on voit habituellement. Ouais, Bruce Willis dans un conduit. Moi, mes films de Noël, c'est des films d'Halloween. Je sais pas pourquoi. On fera une proposition. En décembre, mais oui, mais du coup, il n'y aura pas 8 femmes. Mais en tout cas, je vous conseille, même en dimanche après-midi, quand il fait pas beau, vous prenez une petite tasse de thé, du gâteau, et puis vous regardez ce film. Et après, vous êtes chillé dans la tête toute la journée. Voilà. Et puis les chansons, elles sont très intéressantes. Ouais, les chansons sont cool, par contre. Ouais, les chansons sont cool. Après, c'est des chansons de base connues. Et vous pouvez faire un karaoké sur ces chansons. C'est très rigolo comme film. Voilà. Alors, petit bilan. C'est pas un mauvais film. On l'a un peu c'est un mauvais réalisateur. Parce qu'on en a très mal parlé, donc il faut quand même. J'ai vu Damso hier en concert, j'ai des punch. Il est pas rhabillé pour l'hiver là, ça commence. Non, mais c'est pas un mauvais film. Est-ce qu'on peut dire un truc un peu positif sur le film? C'est pas un mauvais film, c'est un mauvais réalisateur, c'est pas pareil. Moi j'ai une très. Pour parler un peu plus technique, c'est une masterclass si vous voulez apprendre les cadres et la lumière dans quelque chose d'assez classique parce que ça prend des codes des années 50, mais qui sont pas mal actualisés, donc c'est en tout cas un bon film d'école, déjà. Voilà. Un bon film d'école, ok. Et en même temps, c'est très agréable à regarder. Tu apprends, et en même temps... Mais c'est ça. Tu apprends les comment codifier tes personnages. Enfin, je trouve que pour l'écriture, ça peut être un... Pour le théâtre, ouais, et tout ça. Et du coup, la fin, ça finit sur elles se tiennent toute la main, comme si elles... Oui, on a encore plus ce truc de théâtre. Même l'intrigue, elle est cool, le côté policier. Exactement, tu passes un bon moment, t'as envie de savoir qui c'est. C'est juste qu'il y a des moments où, si vous vous posez des questions, si on prend distance, un regard critique sur les choses et qui pour moi n'est pas censé gâcher le film, je trouve que du coup ça, vous pouvez tiquer à certains moments, mais ça reste quand même un bon film. Voilà. Du coup, on vous conseille 8 femmes. Et en effet, il peut avoir vraiment, il pleut. Enfin, c'est l'été. Oui, parce que c'est pour ça que je regardais la fenêtre en même temps disant que c'est un dimanche. Du coup, après ce live, vous pouvez enchaîner avec 8 femmes. Même si vous savez la fin. Mais en fait, c'est quand même un film que tu peux revoir en connaissant l'histoire et tu découvres d'autres choses, des petites. En l'ayant revu, en connaissant la fin, j'ai cherché comment se présenter le personnage, etc. Quels indices il y avait déjà en amont, et c'est ça qui est cool avec les trucs qualifiés. Donc pour pas vous faire de la pub sur Disney+, c'est disponible sur Disney+. Vous pouvez regarder en deux fois. Il y a un film de Ozon qui va sortir bientôt avec Isabelle Huppert. Ok, c'est droppé comme qui est fini. Alors, pour clôturer ce live, comme à nos habitudes, on va faire nos petites recos. Les recos. On devrait avoir un jingle pour les recos. C'est les recos. C'est les recos culturels du mois. On va faire un truc. Je travaillerai pour l'année prochaine. Exactement. Il y aura un petit jingle avec une petite musique. On peut les appeler les recus. Les recus.
pour les reculs, les recommandations culturelles. Les reculs, les, allez, putain, les petites reculs. Alors, vas-y Maëva, commence avec ta recul. C'est vrai, j'ai pensé, c'est le seul film que j'ai eu le temps de voir pendant ce mois et demi, ça craint. En vrai, mais je suis sûre que je vais me faire frapper parce qu'il a pas beaucoup été aimé. Moi j'ai adoré le dernier Cronenberg, Le crime du futur. Ah, je l'ai pas vu. Il y en a qui ont adoré dans cette zone là-bas. Ah bah ok, moi aussi. Non, mais je l'ai trouvé génial. Il y avait vraiment un rapport au corps, à l'avenir, à la place du plastique dans le monde et même à l'art et à la performance qui était très intéressant. Je crois par contre les dialogues des fois traînaient un peu trop en longueur, c'était très explicatif, genre on n'est pas con, on comprend l'histoire, il n'y a pas besoin de le mettre dans les dialogues. Mais visuellement, waouh, c'était une claque. Et par contre, il y a plein de gens qui ont quitté la salle. Enfin, faut être accroché pour voir ce genre de film parce que c'est. Il y a du body horror. C'est du body horror, hein. C'est de la chair et de la chair en veux-tu en voilà. Et il y a un rapport très sexuel avec ça qui peut mettre mal à l'aise. Mais moi, au contraire, je trouve ça très intéressant. Et pour le coup, c'était pas male gaze. Je trouvais que c'était au contraire assez okay. bien équilibré. Voilà. Top. Ok. Sarah, du coup. Nous recommandes-tu Moi je recommanderais d'abord la dernière saison de Stranger Things. Si vous ne l'avez pas vu. J'avais peur d'être déçue par la suite parce que je m'étais dit qu'ils avaient déjà fait quelque chose de tellement bien et en fait non, ils sont restés sur leur lancée. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec la 2 et la 3. Je les ai trouvées très longues. Ouais, moi je me suis dit Je trouve que celle-là elle est bah, trop bien. Quoi. Moi j'ai bien aimé. J'attends la suite. Ouais, avec j'ai un peu peur de la partie 2. Mais la 3 en 2 fois c'est cool. Bah parce que on sait très bien ce qui va se passer. Business is business. Ouais. J'ai pas vu. Non mais il va y avoir des personnes qui vont quick. Comme dans toute chaque saison. De toute façon, t'as forcément un personnage. C'est juste que moi j'espère que ce sera pas mon personnage préféré. Oui, on est d'accord. Mais et sinon, j'ai vu au cinéma le film Encore. Que j'ai beaucoup aimé. Clapiche. Voilà. Ouais. Les avis sont divers sur ce film. En fait, j'étais tellement fatiguée, je me suis endormie, mais je crois que j'ai aimé quand même. Voilà, je sais moi, que j'ai bien aimé. Ah, parce que j'ai vu, ça avait l'air bien. Si vous aimez la danse, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très beau. Et, oui, c'est ça, moi je passe un bon moment en fait. Il est long à démarrer, je trouve, il n'y a vraiment pas de dialogue dans les 10 premières minutes ou 3 phrases, et c'est très long. Et je me suis dit, oula, dans quoi je m'embarque? Et en fait, je n'ai pas du tout été déçue. Donc, accrochez-vous les 10 premières minutes. Et après, ça va bien se passer. Voilà. Pour alors, moi, mes deux recos, il y a un film notamment dont je ne crois pas qu'il y a de distributeur, mais j'espère qu'il y aura un distributeur sur ce film. Donc, c'est un peu. Voilà. Parce que c'est des films que j'ai vus au Festival d'Annecy. Et j'ai vu pour la première fois Encanto, le Disney Encanto qui était sur le film. Oui, donc Toc, Bad Bloom. Ah, moi, je connais ça. Pourquoi on parle de. On parle pas Est-ce que vous avez tous vu ce film? Non, j'ai vu tous les TikToks. Je veux pas que tu me dises pourquoi on parle pas de Bruno, parce que je veux savoir par moi-même. Je voulais dire justice pour Bruno, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Très bien, Marc, c'est parfait. Et ce qui sort sur Disney Plus. Mais il est. Bah, je t'en prie, il est pas encore sur un VPN. Je regarde trop fort sur Disney Plus. Oui, tu peux pas encore, parce que. Chronologie des médias. La chronologie des médias. Elle a rien dit. C'est pour ça qu'elle veut plus sortir en français. Très bien les chronologies des médias. Tu l'as vu en français ou en fait c'est ma grande question. Bah moi je l'ai vu en français. J'ai pas choisi, c'était en plein air et je l'ai vu en français. Mais moi j'ai envie de le voir en anglais pour avoir le Winnie the Pooh de Bruno. Et c'est surtout parce qu'il y a Béatrice qui joue dans Brooklyn Nine-Nine qui adore. Ah. Qui fait la voix, elle fait la grande qui. Je sais pas, mais je sais qu'elle chante. Mais les voix françaises sont. Et elle adore. Mais du coup j'arrête pas d'écouter la BO du film depuis. C'est ouais, un plaisir, c'est vraiment là, toutes les musiques, pas que celle-ci, mais il y en a d'autres qui sont trop bien. Voilà, mais du coup, il a un distributeur. Mais non, de quoi? Celui-là, oui. Tu parlais d'un autre film. D'un autre film qui. Ah, putain, on a pas eu la reco. Ah, non, oui, parce que oui, bah si, c'est la reco, Encanto. Il y a deux recos. Oui, okay. Bah, c'est une reco que vous pouvez voir, du coup, que l'autre. Ça y est, le live. Le fantôme de l'Amazon qui a dit arrêtez tout. Et ça, j'ai vu un film documentaire d'animation sur les génocides d'Arménie. Alors là, je change complètement l'ambiance. Ah oui, on parle d'Encanto. Mais on parle pas des Encanto, mais vraiment, c'est un film qui m'avait bouleversé. Incroyable, j'ai pleuré longtemps après. C'est quoi le titre? Ça s'appelle Aurora's Sunrise et ça raconte l'histoire d'une actrice qui s'appelait Aurora Madignon, je crois, qui était une grande actrice du muet à l'époque, dans les années 20. Et qui a réussi à aller jusqu'aux États-Unis et quitter son pays. Et elle a fait justement, elle a raconté son histoire. Et ils ont fait un film justement sur son histoire.
Et le film mélange des parties d'animation, des images d'archives, des bouts du film qui a été tourné à l'époque. Donc la plupart des copies ont été brûlées et pas trouvées, mais on a trouvé certains extraits. Et le film mélange tout ça et c'est hyper bouleversant. Enfin, moi, je connaissais pas cette histoire. Okay. Donc, c'est complètement plombage d'ambiance, mais vraiment, c'est un film qui m'a vraiment bouleversée. Et j'espère qu'il y aura un distributeur. J'ai essayé de trouver sur internet, j'ai pas trouvé. Donc, mais je souhaite que ce film aura une vie en salle parce que vraiment, il était incroyable. Et je l'ai vu, c'était en sous-titré anglais, et donc je sais pas du tout si... Donc je pense que c'est vraiment niche, mais peut-être que si vous êtes allé au Festival d'Annecy, peut-être que vous avez eu l'occasion de le voir, mais vraiment très bouleversant. Mais voilà, donc c'est deux recoupements, rien à voir, Encanto et... Oui, c'est clair. C'est deux ambiances. Deux ambiances, mais c'est deux films qui m'ont beaucoup marqué ce mois-ci, donc voilà. Et toi, Louise ? Moi, en première reco, moi, je vais parler de Top Gun. J'adore Top Gun. Je l'ai pas vu encore, je trouve que c'est une... Mais c'est un génie. Voilà, moi, je veux qu'on aille faire de l'avion avec Tom Cruise. Non, le film est vraiment trop bien. Ça reprend bien les codes du 1, que moi, je trouve hyper drôle. Il y en a beaucoup qui détestent, mais moi, je trouve que le premier est trop marrant et très, très kitsch. Il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas Take My Breath Away. Mais il y a Danger Zone. Donc, ça va. Non, le film est vraiment... Chante, non, dans le 2. C'est qui ? Lady Gaga, elle a fait une musique pour Top Gun. Non, c'est la même musique, la seule musique qui est chantée, c'est Danger Zone, qui est déjà dans le 1. Mais c'est pas où, c'est peut-être dans la BO, tu sais, les BO qui sont pas dans les... Ben le film est trop bien, et vraiment les effets, il y a pas d'effets spéciaux, enfin Tom Cruise quoi, c'est incroyable. Voilà, j'aime beaucoup. Et en deuxième reco, je vais faire du gros classique, mais je trouve que vraiment les Peaky Blinders, ils sont très bien rattrapés sur cette saison 6. Ah putain, j'ai tellement lâché. Alors moi, je me suis dit, putain, l'avant-dernière saison, la saison 5, je l'ai vraiment trouvé relou. Enfin, ça m'a vraiment gonflé, alors que je trouvais ça intéressant, la montée du fascisme, etc. Là, c'est incroyable. J'ai regardé 3 épisodes d'un coup, j'étais là, waouh, je vais m'arrêter maintenant, sinon je vais y arriver. Voilà, donc Peaky Blinders et Top Gun. Voilà. Oh. Et toi, Nora ? Moi, du coup, ça va être... j'ai vraiment... C'est pareil que toi, je ne savais pas quoi choisir. j'ai pris un truc qui ressort. La dernière fois, j'avais dit Heartstopper parce que c'était vraiment la grosse claque que je m'étais prise. Là, je ne me suis pas prise. Et t'as commencé le livre, d'ailleurs, non ? Tu peux recommander ça. Je l'ai vraiment lu, donc... Mais apparemment, c'est très bien, mais bon, voilà. Et du coup, non, j'ai cherché dans mes livres que j'ai lus dernièrement et je vous recommande ce livre... Je sais pas quoi. Il est beau! Il est très beau! Je serai le feu de Digli. Exactement. Et donc, c'est un recueil de poésie. T'as ramené le livre exprès? Oui, j'ai ramené le livre exprès. Et donc, vous voyez, attendez, je vais me retrouver. C'est très. Je galère pas du tout. Mais donc, voilà. Donc, en fait, c'est un recueil avec des poètes uniquement. Donc, des poétesses, il y a, je crois, une ou deux personnes non binaires dedans. Et l'idée, c'est qu'elle fait un recueil avec toutes ses poétesses préférées. Et un portrait, elle fait un dessin de la personne, une petite biographie, et ensuite vous avez en moyenne 2 à 5, 6 poèmes de cette personne qu'elle a sélectionné. Et le livre est magnifique, les poèmes sont incroyables. J'ai pleuré des vraies larmes en lisant certains poèmes. Parce qu'il y a des gens qui pleurent des fausses larmes. Des larmes aux yeux et tout, mais là c'est vraiment genre j'avais vraiment des larmes qui coulaient. C'est marrant, c'est rare de pleurer devant des bouquins. Et c'est beau, parce que je me disais qu'est-ce que c'est beau. Et il y a aussi des moments où c'est... Alors il y a des poèmes qui sont très hard, enfin tu vois, il y a des trucs genre Emily Dickinson, je rentre un peu facilement dedans. Et d'autres où vraiment je suis là, bon, je comprends pas tout ce que je lis, mais j'y reviendrai, je suis plus dans on reste dans l'émotion, et ça touche quand même, alors que c'est très dur à comprendre. Mais donc voilà, je vous recommande ça, même si moi j'y connais rien en poésie, et je trouve que c'était incroyable, je l'ai juste acheté parce qu'il était beau. Et qu'il fait beau dans ma vie. Il a coûté combien par contre? Mais c'est vrai qu'elle est jolie, très chère. 29 euros. Mais après, c'est pas si cher que ça. Pour une BD comme ça, c'est vrai. Enfin, pour une BD recueil comme ça, recueil. C'est pas très cher. Moi, je trouve que le livre de Penelope. Mais du coup, on peut remontrer la pochette. Voilà. Mais il était vachement bien. Ouais, il est très beau. C'est vrai que et en plus, il y a vraiment du doré dessus. Ouais. Et c'est très beau. J'ai beaucoup aimé. Et sinon, dans ce contexte un peu morose, socialement parlant et politiquement parlant. Je vois pas de quoi tu parles. Ton tour va pas. Je vais pas en rajouter. On fait pas de la pluie. En ce moment, je me suis remise à vraiment écouter des musiques un peu métal, etc. Et du coup, je voulais vous recommander mes deux groupes préférés niveau défouloir. C'est-à-dire, le premier, c'est Turnstile, que j'ai vu en concert lundi dernier à Paris. Mon frère, Corentin, coucou. Il est pas là parce qu'il est encore à des concerts, mais. Oui. Coucou quand même.
Et donc c'était incroyable et je me suis fait massacrer la gueule dans la fosse, mais c'était trop drôle. Et donc c'est du punk hard, enfin voilà, ça bouge beaucoup et en même temps il y a des trucs un peu, enfin des fois t'as un peu l'impression d'entendre des rythmes Shakira. Moi j'aime bien, enfin bref, je trouve ça très drôle. Des rythmes et ça met de bonne humeur, donc voilà, je trouve ça cool, ça énerve mais bien. Et sinon Spirit Box qui vient de ressortir un EP il y a 2 jours je crois, 2 ou 3 jours, et c'est trop bien. C'est une meuf qui, enfin c'est un groupe de métal canadien et c'est une meuf qui chante et elle fait du scream, donc je vais pas vous limiter du scream, ça crie parce je crois que, voilà ça crie mais c'est genre comme ça, enfin, et elle est incroyable parce qu'elle passe de l'un à l'autre, elle fait aussi des chansons full comme ça et tout est incroyable. Et t'as des chansons très douces, un peu genre emo et tout. Et t'as des chansons. Ouais, voilà, bah exactement. Enfin, moi, c'est ça mon truc de base. Et des trucs très hard, genre bien vénère. Et du coup, bah, c'est cool pour se défouler. Et en ce moment, j'en ai besoin. Attends, je peux rajouter 2 chansons. Écoutez Fade Up de Hamza et SCH. Et il y a un 3e pélo, je sais plus qui c'est. Et Massive de Drake. Elle est archi cool. Ah, j'ai pas écrit. Oh, la musique de Beyoncé, c'est là. Elle est toute house. Incroyable la dernière de Beyoncé. Moi, Beyoncé, c'est moi, j'attends de l'entendre à un moment inopportun parce que je l'écouterai pas par moi-même. Mais ma meilleure pote est fan de Beyoncé, mais moi j'aime bien. Mais Massive de Drake, elle est incroyable. J'ai l'impression d'être sur une plage à Berlin. Genre, c'est une espèce d'électro. Enfin, de mais, house. Oui, c'est de la house, mais comme Beyoncé. J'adore. Beyoncé aussi, c'est de la house. Et Fade Up de Hamza SCH, mais. Okay. Et Damso, mais je recommande Damso dans son entièreté. Achetez voilà, Damso, le gars. La personne. Donc voilà, c'était nos recus. Notre dernier live. Donc en fait, on se retrouve en septembre. On vous souhaite de très très bonnes vacances, un bel été. On regarde quoi en septembre? Je peux donner un indice? Vas-y. On fera la fête. Dreams are Mariality. C'est la pub pour Nutella. Ouais. Ah, c'était non, du c'est, non, c'était du pain de mie. Du pain de mie, oui. Ah oui, parce qu'il est tout doux. Ah, je vais manger du pain de mie. Du coup, je pense que vous avez. C'est ça, voilà, c'est un très bon indice. Et on se retrouvera du coup en septembre pour une rentrée festive avec nous. Et on espère que vous serez au rendez-vous pour nous suivre toujours avec de nouveaux films. Et voilà, du toutes coup, les infos sur Instagram. Toutes les infos, 5 filles, un film sur Instagram. Vous pouvez retrouver ce live sur YouTube. On remettra évidemment cet été, on vous tiendra au courant de, voilà, des films, etc. On restera actif sur Instagram, on vous donnera toujours nos recommandations du mois. Et puis voilà, donc on vous souhaite un bon dimanche. On était ravis et on se voit très très vite. À bientôt. Des bisous. À bientôt.